Bonjour, je suis Christophe Gay, je dirige le forum Bimobile avec Sylvie Landrieff et nous allons vous présenter aujourd'hui les résultats de notre démarche de démocratie participative, le forum citoyen des Bimobiles. Cette conférence va se dérouler à la fois en direct et en ligne, en distanciel, mais aussi en présentiel puisque nous sommes à la Maison européenne de la photographie. Nous remercions d'ailleurs de nous accueillir pour cette conférence. Je voudrais aussi remercier tout de suite Delphine Bateau et Lauriane Rossi, qui sont avec nous à nos côtés. Donc Delphine Bateau, députée des Deux-Sèvres depuis 2007, qui a été ministre de l'écologie et du développement durable et qui est actuellement porte-parole de la campagne présidentielle de Yannick Jadot. Et puis Lauriane Rossi, qui elle est députée de La République En Marche depuis 2017, et qui est également conseillère municipale de la ville de Montrouge depuis 2020. Donc on les remercie toutes les deux d'avoir accepté de venir aujourd'hui réagir aux propositions émises par les citoyens et de nous dire comment elles penseraient s'en emparer. Alors elles font partie d'un groupe d'élus qui suit la démarche participative que nous avons initiée depuis le début avec quelques autres élus, et je ne l'ai pas vu, mais peut-être qu'il est dans la salle, Olivier Jacquin en particulier, qui fait partie de ces élus qui nous suivent depuis le début et qui suivent la démarche depuis le début. Alors aujourd'hui, la conférence va se dérouler en trois temps. Dans un premier temps, nous allons vous présenter le dispositif et les propositions formulées par les citoyens. Dans un deuxième temps, nous aurons un échange avec Lauriane Rossi et Delphine Bateau. Comment réagissent-elles à ces propositions? Comment comptent-elles s'en emparer? Et puis, nous terminerons avec une séance de questions pendant environ une demi-heure. Et je vous incite donc à poser vos questions, évidemment pour ceux qui sont dans la salle au moment de la séance des questions, mais pour tous ceux qui sont en distanciel, n'hésitez pas à les poser dans les chats de YouTube, de Facebook pardon, et de Twitter. Et d'ailleurs, pour ceux qui veulent tweeter, hein, le hashtag, c'est @forumcitoyen. Voilà, et donc je vais... Peut-être, avant de céder la parole à Sylvie, dire un tout petit mot sur le forum des Vimobiles. Nous sommes un think tank de la mobilité qui travaille sur la question de la place des déplacements dans les modes de vie depuis plus de 10 ans maintenant. Et nous souhaitons aborder les problèmes que pose la place considérable prise par les déplacements dans ces modes de vie. La place considérable qui a deux types d'effets. D'une part, elle pèse sur la vie de chacun, avec toutes sortes de contraintes qu'elle exerce sur les vies. Et puis, par ailleurs, elle contribue via le secteur des transports à des émissions massives de gaz à effet de serre qui sont aujourd'hui pas contrôlées. Alors, nous travaillons avec des chercheurs en sciences humaines et sociales que nous pilotons, nous réalisons nous-mêmes des enquêtes, nous associons à certains de nos projets des artistes. Et puis, depuis quelques temps, nous sommes lancés dans une démarche d'association des citoyens. Mais je laisse tout de suite la parole à Sylvie Landrieff pour vous la présenter plus en détail. Eh bien, bonjour à tous. Je me demande si le micro marche comme il faut. Ça marche ? Ok. Donc, on vient de me passer le message que vous êtes plus de 500 en ligne. Donc, c'est très réjouissant pour nous. D'autant que mon rôle habituel, en fait, c'est un peu de dramatiser les sujets. Et donc, ce qui nous semble très important à Christophe et moi en tant que directeur du forum, c'est de mettre la mobilité, les questions qui vont avec, donc on va les aborder, au cœur des débats, et en particulier dans le cadre de la campagne présidentielle. Pour l'instant, il y a très peu de candidats qui s'en sont saisis, et j'espère en fait que notre présentation et le débat qui va suivre vont contribuer en fait à faire cela. Alors, tout d'abord, pourquoi un forum citoyen? Donc, comme disait Christophe, en fait, le forum Vimobile, c'est un institut de recherche. Donc au départ, on n'est pas des spécialistes du tout de démocratie participative. Mais en fait, il y a deux choses en fait, qui nous ont alertés. L'alerte a commencé il y a 4 ans. On avait fait une grande enquête internationale dans des pays au mode de vie semblable au nôtre, États-Unis, Allemagne, Espagne, France bien sûr. Et la question principale était comment vous imaginez le futur de votre vie, et en particulier sous l'angle des déplacements. Et un des résultats principaux, c'était qu'au quotidien, la plupart des personnes interrogées, donc c'était 12 000 personnes, c'est pas rien du tout, la plupart, c'est-à-dire 8 sur 10, disaient nous, on aimerait ralentir, faire des pauses,
Donc on va voir un petit peu si les citoyens en fait, qu'on a réunis, comment ils traduisent cela. Hein. Et on aimerait vivre en plus grande proximité. Donc ça, c'est une des raisons pour laquelle on s'est dit, mais finalement, les recherches ont tendance à se concentrer sur le présent. Et les citoyens, eux, on les a interrogés sur les... Enfin, nos enquêtés, on les avait interrogés sur le futur, comment ils voyaient les choses. Et puis par ailleurs, ben, comme la mobilité, c'est notre marotte, on a un peu tendance à tout voir par ce prisme-là. Eh bien, on a l'impression qu'il y a beaucoup de mouvements sociaux, pas seulement en France, mais dans le monde, qui démarrent sur des questions de mobilité. Et donc, il nous semble que c'est très important, en fait, pour construire le futur, et en particulier dans une perspective de transition écologique et sociale, qui est le cadre dans lequel on travaille. Alors, je vais prendre quelques exemples. Vous avez forcément en tête le mouvement social de l'hiver 2018-2019 en France des Gilets jaunes, mais au même moment, il y avait au Chili des mouvements sociaux qui ont été très importants et qui ont éclos en fait avec à l'origine en fait l'augmentation du prix du ticket de métro. Si je passe tout de suite à maintenant, qu'est-ce qui se passe en ce moment au Kazakhstan? Il y a beaucoup de mouvements sociaux, hein, et pourquoi? C'est à cause de l'augmentation du prix du gaz. On pouvait dire mais quel rapport avec la mobilité? Ben, il se trouve qu'au Kazakhstan les gens circulent au gaz, les voitures fonctionnent au gaz. Pour revenir deux secondes sur le mouvement des Gilets jaunes. C'est un mouvement social qui, bien sûr, est multiforme, qui a pris plein de... Je dirais, les revendications étaient multiples et les modes d'action aussi. Mais malgré tout, l'origine, c'est l'augmentation du prix de l'essence, la perspective de l'instauration de la taxe carbone, et puis aussi les modifications concernant les contrôles techniques qui permettent la mise en circulation des voitures. Et pour qu'on n'oublie pas le sujet, où se réunissent les Gilets jaunes? Bien sûr dans l'espace public, comme tous les mouvements sociaux, mais pas n'importe quel espace public, sur des ronds-points routiers. Et comment ils symbolisent leur mouvement? En endossant des gilets de sécurité routière. Donc voilà, tout ça pour dire qu'il nous semble que vraiment, il y a un sujet pour les politiques publiques du futur à vraiment se saisir de cet enjeu. Alors pour arriver tout de suite sur notre dispositif, je vais essayer de le décrire de façon assez simple. Ce qu'il faut, pour ceux qui sont plus intéressés par ces sujets-là, vraiment tout est sur notre site. Et donc vous pouvez bien sûr nous interroger plus précisément après. Mais on a essayé d'être le plus transparent possible. Alors tout d'abord, comme nous ne sommes pas des spécialistes de démocratie participative, on s'est appuyé sur des experts. Alors, des experts de la théorie de la participation, comme par exemple le chercheur Loïc Blondiot, des praticiens, comme Mission Publique, qui a aussi été à la manœuvre pour la Convention citoyenne pour le climat, organisée par le gouvernement, là aussi à la suite du mouvement des Gilets jaunes, des philosophes de la démocratie, comme Alain Guyard, des praticiens de l'éducation populaire, comme Anthony Brault. Et puis, bien sûr, notre comité scientifique, avec des gens comme Jean-Marc Hoffner, directeur de l'agence d'urbanisme de Bordeaux, Marc Niadi, qui est un philosophe belge spécialiste de la question des modes de vie, hein, et puis aussi Olivier Mongin, anciennement responsable de la rédaction de la revue Esprit, et Jean-Pierre Martin, écrivain. Donc c'est juste pour tout ça, donc, au passage ça me permet de les remercier tous, mais c'est aussi pour dire qu'on s'est appuyé des spécialistes pour faire un exercice de démocratie participative relativement inédit. Alors inédit pourquoi? Alors bien sûr on avait l'idée de faire un parlement national, on voulait interroger les Français, mais pas en les réunissant tous par exemple à Paris, d'abord parce qu'on craint toujours en fait d'être accusé de parisianisme, c'est normal, et parce que la mobilité, ça s'incarne aussi physiquement dans les territoires. La mobilité, souvent, ça mobilise la géographie et la sociologie. Et donc, pour les territoires, on s'est appuyé sur l'analyse du ministère, qui considère aujourd'hui que la France est, on va dire divisé entre guillemets, entre quatre grands types de territoires. L'Île-de-France, la mégalopole. Alors il faut avoir en tête, pour ceux qui ne sont pas géographes, hein, que la mégalopole parisienne, bon, vous êtes vraisemblablement dans la salle francilien, mais pas tous, en ligne, vous n'êtes pas tous franciliens. La mégalopole parisienne, c'est une spécificité. Il n'y a pas des mégalopoles dans tous les pays. Il n'y en a pas en Allemagne, il n'y en a pas en Espagne. Il y en a trois en Europe. Et il y a une particularité à vivre dans une mégalopole. Donc, un premier territoire, l'Île-de-France.
Ensuite, le reste de du territoire métropolitain, le ministère distingue deux types de territoires avec des dynamiques démographiques et économiques différentes. Une partie du territoire qui serait en dynamique positive, c'est-à-dire avec des afflux de population et puis une économie relativement, sereine, florissante. On va dire que c'est pour peu ou prou les territoires qui sont le long du littoral français et puis le couloir rhodanien. Et puis, à l'opposé, des territoires en déprise qui sont sans doute pas forcément très contents qu'on les présente toujours comme ça, mais qui, certainement, par contre, font face à une diminution de leur démographie, comme d'autres, d'ailleurs, territoires en Europe, comme par exemple dans les pays de l'Est. Il y a des territoires comme ça qui sont qui subissent une baisse de la démographie et donc dont l'économie est moins florissante ou jugée moins florissante que dans ce que je vais appeler le grand littoral, d'une certaine façon. Et puis, bien sûr, on voulait absolument avoir dans nos territoires représentés les ultramarins et on a décidé de faire un forum citoyen à La Réunion. Donc, notre Parlement citoyen, c'est 120 citoyens. De ce point de vue-là, on va dire que c'est comme la Convention climat, mais incarnée dans quatre territoires représentatifs de la dynamique telle qu'elle est imaginée ou vue, représentée par le ministère. Et représentatif, donc l'idée, c'était d'avoir des citoyens représentatifs de la population française. Alors ça, c'est classique, autant d'hommes que de femmes, représentatifs en termes d'âge, des jeunes, des actifs, des personnes plus âgées. Mais aussi, et ça nous semblait très important, pas seulement une bonne représentativité en termes de revenus, mais aussi en termes de diplômes, parce qu'on a constaté que dans beaucoup d'enquêtes, en fait, il y a une très mauvaise représentativité en termes de diplômes. Et comme pour cette année, en fait, la thématique de notre forum citoyen, c'était les mobilités liées au travail, on a voulu que soit représentée la plus grande diversité possible de rapports à la mobilité de travail. Et donc ça, c'est, pour nous, c'était un déficit, en fait, souvent des dispositifs citoyens. Si vous faites votre dispositif, par exemple, vous faites votre réunion de citoyens le soir, ben vous n'avez pas les gens qui travaillent le soir, vous n'avez pas les gens qui travaillent en horaire décalé, vous n'avez pas les gens qui travaillent le week-end, etc., etc. Nous, on voulait avoir tout ce monde-là de représenter, et d'une certaine façon, c'est ce que nous avons eu. Donc l'idée, c'était de réunir les gens pendant 2 jours et demi, de leur demander d'abord quelles étaient leurs aspirations, c'est-à-dire que de ce point de vue-là, on a pris au sérieux la question démocratique, les gens disent ce qu'ils veulent, puis après seulement, on se pose la question de comment on y va. Et on leur a demandé donc de faire ensuite des propositions. Donc comme ça a beaucoup foisonné, on a eu presque une centaine de propositions dans chaque territoire, mais après on leur a demandé d'en discuter collectivement et de retenir ensemble les propositions qui leur semblaient les plus importantes, 5 par territoire, et comme en fait une partie des propositions a était un petit peu redondante, finalement nous sommes arrivés à 16. Donc pour fusionner telle ou telle proposition, nous avons demandé l'aval des citoyens, et ce qui va vous être présenté, en fait c'est vraiment le produit de ce que nous ont dit les personnes que nous avons réunies. Alors, le thème qu'on avait choisi pour cette première session des forums citoyens vie mobile était le thème mobilité et travail. Et je vous propose tout de suite de découvrir un petit film qui va vous montrer des éléments de description et d'analyse sur pourquoi est-ce que cette question est si fondamentale. Aller au travail, revenir du travail, aller faire ses courses, aller faire du sport, aller au cinéma, aller voir ses proches, aller en week-end. Chaque semaine, en moyenne, nous consacrons 10 heures à nous déplacer, plus d'une journée de travail hebdomadaire. Et dans ces 10 heures, nous parcourons toujours en moyenne 400 km. Un Paris-Lyon ou un Rennes-Bordeaux englouti en 7 jours. Avec 31% des émissions, le secteur des transports est le premier émetteur de gaz à effet de serre en France. Et 2/3 de ces émissions sont liées au transport de voyageurs. Il est plus que temps de questionner nos mobilités. Devinez ce qui nous amène le plus à nous déplacer, le travail. 41% du temps que nous passons en mouvement et 45% des kilomètres que nous avalons sont liés au boulot. Il y a les allers-retours quotidiens, domicile-bureau, bien sûr, mais ce n'est pas tout. Plus d'un quart des travailleuses et travailleurs en France, 27%, exercent un métier par définition mobile. Routier, ambulancière, éboueur, conductrice de train, 13% autres ont un emploi qui les force à se déplacer souvent, commercial, infirmier, hommes et femmes de ménage.
Au total, en plus de devoir se rendre au boulot, 40% des travailleurs doivent se déplacer pour accomplir leurs tâches. Ils et elles parcourent 45 à 120 km par jour, une charge conséquente qui pèse le plus souvent sur les plus bas salaires. Et vous allez rire, ces déplacements nous rendent plus sédentaires que jamais. Qu'il s'agisse de voitures, de trains, de trams ou de métro, nous voyageons principalement assis et notre santé s'en ressent. Nous n'avons jamais aussi peu bougé alors que les temps de trajet s'allongent. Entre 1995 et 2015, la durée des déplacements domicile-travail a augmenté de 10 minutes. On a beau se déplacer de plus en plus vite, on ne se déplace pas moins pour autant. La vitesse gagnée n'a qu'un objectif, aller toujours plus loin et non pas libérer du temps. Dommage. Il faut dire que nos injonctions contemporaines sont loin de prôner la sobriété en matière de mobilité. Se déplacer plus pour gagner plus, voilà un adage vendeur. Or, de nombreuses études montrent qu'au-delà de 30 minutes, ces trajets provoquent fatigue et stress. Chez les grands mobiles, les travailleuses et travailleurs se déplaçant le plus, les taux de divorce sont plus élevés que la moyenne. Les déplacements liés au travail sont même le premier motif d'insatisfaction des actifs. La mobilité est portée en étendard comme un symbole de liberté, sauf qu'après des heures au volant et coupé de ses proches faute de temps libre, le burn-out n'est jamais bien loin. Les pouvoirs publics, champions des objectifs ambitieux en matière d'environnement, nous invitent donc à nous déplacer plus. Joie des paradoxes. Mieux, ils misent sur la métropolisation. Vous savez, cette vieille idée selon laquelle plus on rassemble d'habitants, plus on optimise les trajets. Eh bien non. C'est dans les petites et moyennes villes, entre 10 000 et 50 000 habitants, que les temps de trajet et les distances hebdomadaires sont les plus courts. 9h20 par semaine et 370 km. En revanche, sur une métropole de 200 000 habitants, les compteurs explosent. 11h20 passées à se déplacer et plus de 420 km parcourus. Quant aux entreprises pourvoyeuses d'emplois, elles ignorent souvent que 50% de leurs émissions de gaz à effet de serre sont liées aux déplacements de leurs employés. La question des trajets domicile-travail est généralement peu considérée et pour les déplacements professionnels, le choix d'un moyen de transport écologique est rarement une priorité. La vitesse avant tout. Citoyennes et citoyens sont ainsi écartelés entre un impératif d'emploi impliquant des temps de trajet à rallonge et un désir profond de ralentir. Que ce soit pour répondre à l'impératif écologique ou simplement pour profiter d'un temps réellement libre. Il est temps de réinventer la place du travail dans nos villes et dans nos vies afin d'adapter nos déplacements à nos besoins et non l'inverse. Alors de cette description copieuse et un peu sidérante, je vous propose d'extraire quelques chiffres clés. Aujourd'hui, 45% de l'ensemble des déplacements sont réalisés pour des déplacements au domicile travail, pour des déplacements liés au travail, pardon. Et 41% du temps passé à se déplacer est consacré à cette activité, ce qui représente, dès lors qu'on est actif, deux fois plus de temps passé à se déplacer que les autres citoyens. Autre trait caractéristique important, c'est que quand on pense domicile déplacement lié au travail, on pense domicile travail. Et effectivement, 85% des gens aujourd'hui se déplacent dans le cadre de pour aller à leur travail. Mais il y a aussi 40% des actifs qui se déplacent à l'intérieur de leur travail. Et ça concerne non seulement les routiers, les livreurs, les pilotes d'avion ou de train, mais ça concerne aussi des commerciaux, mais aussi tous les métiers de soins, aide à domicile, infirmières, hommes et femmes de ménage. Les artisans etc. aussi. Artisans, ouvriers sur certains chantiers. Voilà. Et donc, en fait, c'est un phénomène à la fois considérable et sous-estimé. Voilà. Donc, c'est quelques chiffres pour rappeler et remettre en perspective donc les enjeux liés à la mobilité liée au travail. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est vous présenter les 16 propositions qui ont été choisies par les citoyens. On va vous les présenter autour de 3 axes. Et chaque axe sera introduit par le témoignage d'un des participants des forums, donc qui donne l'occasion de voir un petit peu concrètement quelles étaient les personnes qui ont participé, quel est leur mode de vie, les arrangements auxquels ils procèdent et comment, finalement, les thèmes qu'ils abordent résonnent avec les propositions qui ont été faites par les forums citoyens. Peut-être juste avant de voir le premier portrait, donc pour ceux qui sont intéressés, en fait, pour vraiment savoir en fait, ce que... Ben, voir quels étaient les citoyens qui étaient autour de la table, entre guillemets. Donc, on a pas mal de portraits qui seront sur notre site. Et pour ceux qui ont particulièrement aimé la vidéo, qui sera accessible en ligne, juste rendre hommage à Datagull, que peut-être les spécialistes connaissent déjà, mais qui nous a aidé à scénariser en fait, la problématique. Mmh.
Donc, je suis éleveur de vaches laitières en agriculture biologique. Donc moi, pour aller au travail, je n'ai pas très loin puisque j'habite à 50 mètres de l'exploitation agricole. Pour faciliter le trajet pour ma femme qui a une vingtaine de kilomètres, donc je prends en charge d'emmener les enfants à l'école le matin et donc ça commence vers 8 heures. Je le dépose, j'ai allé à peu près 5 kilomètres et donc j'en profite pour faire mes petites courses tant que je suis dans la petite ville avant de pouvoir enchaîner ma journée de travail vers 9 heures qui va commencer à 9 heures jusqu'à 13 et une petite coupure le midi et après je finis vers 20h30 quoi. Ma fille qui est au lycée, comme ma femme et moi avons des journées bien chargées, on a fait le choix du pensionnat. Et ce qui me permet de l'emmener le matin, le lundi matin seulement, vers 7 heures, à l'arrêt du bus, qui n'est pas très loin, et de la récupérer que le vendredi soir. Ou alors, si elle coupe la semaine en deux, le mercredi, parce que des fois, elle veut rentrer quand même le mercredi. De toute façon, on ne peut pas se passer de la voiture. On est quand même allé à 5 km du premier village, quoi, enfin des premiers commerces. Donc, de toute façon, nous, la voiture, c'est inéluctable. On ne va pas aller à vélo. Faut que ce soit rapide, pratique, et bon, c'est quand même économique la voiture. Et puis ça me sert à l'exploitation en même temps. Alors peut-être deux éléments en fait à tirer du mode de vie d'Arnaud. Alors d'une part c'est un agriculteur. C'est toujours très compliqué, très difficile en fait, d'avoir des agriculteurs dans les dispositifs de participation. Donc là, vraiment, on tenait à avoir notre agriculteur et on a décidé donc, effectivement, de le mettre en scène. Et puis, ce qu'il montre, en fait, c'est que son mode de vie à la campagne est entièrement dépendant de la voiture. Et donc, il ne voit absolument pas comment s'en passer. Donc, ça me permet d'introduire le premier axe des propositions. Donc, les citoyens, ce qu'ils demandent, c'est pouvoir vivre en dehors des grandes villes. Alors, pouvoir vivre en dehors des grandes villes, ils ne veulent pas dire pouvoir ne vivre que en dehors des grandes villes, mais c'est pouvoir vivre aussi en dehors des grandes villes. Et donc, ce que ça signifie, c'est que c'est pas si simple de vivre en dehors des grandes villes et qu'il y a une critique sous-jacente, en fait, des politiques publiques qui seraient menées en leur défaveur ou qui ne seraient pas assez redistributives. Alors, leurs propositions, en fait, elles sont... Donc, il y a quatre propositions sur cet axe. Deux qui concernent l'organisation des territoires et deux qui concernent le transport. Sur l'organisation des territoires, en fait, leur objectif, c'est que, en dehors des grandes villes, les territoires puissent aussi être attractifs et on puisse vivre en réduisant les trajets. Donc, ce que ça signifie, donc, une première proposition, c'est faire de ces territoires-là des pôles de vie où on peut à la fois se loger, travailler, accéder au commerce et avoir sa vie sociale. Donc d'une certaine façon, ça nous ramène au vivre et travailler au pays des années 70. Et puis une deuxième proposition qui vient un peu préciser ou incarner plus concrètement la première, comment vraiment centrer sur les questions d'artisanat et de service, avec l'idée qu'il faut absolument aider les artisans à s'installer dans ces territoires, quitte à ce qu'il y ait des maisons de l'artisanat, une mutualisation de l'offre pour les habitants. Deux autres propositions concernent les transports. Là, on n'est plus seulement, dans les territoires peu denses, mais aussi en petite et en grande couronne de l'Île-de-France, avec l'objectif de se passer de voiture. Alors les citoyens, en fait, donc, nous, on n'avait pas mis la question écologique sur la table, puisque les spécialistes de démocratie participative nous avaient dit, maintenant, il ne faut pas cadrer le débat, il faut que les gens puissent s'exprimer librement. De toute façon, la question écologique arrivera. Et donc, effectivement, c'est bien le cas. Et donc, ce qu'il disait, c'est que, OK pour se passer de voiture, mais pour se passer de voiture, encore faut-il qu'il y ait des alternatives. Donc, il propose deux alternatives. D'une part, avoir des transports collectifs cadencés, voire gratuits. D'autre part, avoir tout un système d'alternatives pour faire le lien entre le domicile et le transport cadencé. Des pistes cyclables, des parkings gratuits, du covoiturage, du transport à la demande. Donc, si je résume en fait ces quatre propositions-là, donc on interroge les gens sur les déplacements. Logiquement, c'est clair, ils parlent aussi de transport, mais ils parlent aussi d'organisation du territoire et ils appellent à revoir les politiques publiques. Ah, pardon.
Maintenant, on va voir une autre vidéo, celle de Jamel, avant que je vous présente les propositions issues d'Axe 2. J'habite dans les Yvelines, à Trappes exactement. Je travaille à Paris dans le 13e arrondissement et je travaille pour la mairie de Paris. Je travaille au service des égouts. On commence la prise de poste à 6h50 et on finit à 13h30. Et ça fait un total de 6h40. Et comme je commence à 6h50, donc je commence très tôt, moi je me lève à 5h30 chez moi parce que j'habite un peu loin, j'habite en grande banlieue. Et à 5h30 chez moi pour prendre le train de 5h50, à peu près 6h maximum. Et en fait, l'aller et le retour, ça me fait plus de 2h. Parce que, en fait, même j'habite à côté de la gare, j'habite à 500 mètres de la gare, mais je dois aussi marcher. Et quand j'arrive à la place d'Italie, je dois encore marcher pour arriver à l'atelier. Ça fait beaucoup de transport. Ça, mais bon, je peux pas habiter plus proche parce que financièrement, j'ai pas les moyens d'habiter à Paris. J'aimerais bien habiter à Clamart, hein, mais c'est le double de prix. Et quand j'ai voulu acheter un appartement, je me suis dit que j'allais me rapprocher de ma famille. Et j'ai acheté un appartement à Trappes parce qu'en fait, à Trappes, il y avait des incitations du gouvernement. Parce que quand vous achetez en zone franche, vous achetez les appartements, vous avez une aide financière et vous payez moins de TVA. L'avantage de mes horaires de travail, c'est que quand je reprends les transports, il n'y a pas encore d'affluence, ni à l'aller ni au retour. Donc ça, c'est des points positifs, parce que c'est beaucoup plus calme et c'est agréable aussi, parce que moi, la foule, j'aime pas. L'autre avantage aussi, c'est que ça me laisse beaucoup de temps libre quand je rentre chez moi. Parce que je finis à 13h30 et avant 15h, je suis à la maison. Donc si j'ai envie de faire des choses, par exemple l'administratif, mes courses, ou faire une promenade au parc, ou voir ma famille qui habite à proximité. Donc j'ai beaucoup de temps libre et ça, c'est appréciable. Et moi, mon but, en fait, c'est de rester jusqu'à la retraite. Et après la retraite, là, j'ai l'intention de partir. Voilà, de partir de l'Île-de-France. Moi, j'aimerais bien partir à l'étranger, en fait. J'aimerais bien partir dans un autre continent, mais j'ai pas d'idée fixe encore, mais bien où il y a une douceur de vivre, ou plus avec tous ces gens partout, parce qu'en Île-de-France, c'est stressant. Moi, je trouve que c'est le jour du confinement, ça m'a pas dérangé plus que ça, parce que j'ai beaucoup aimé le calme. Ça m'a pas manqué de pas aller au travail, parce que ça crée aussi de la fatigue, le travail. Pas le travail en lui-même, c'est le transport en fait qui me fatigue plus que le travail. Alors dans le témoignage de Jamel, il me semble que la dernière phrase qu'il prononce, elle est vraiment frappante. C'est-à-dire qu'au fond, finalement, le temps de passer à se déplacer, qui est considérable rapporté à son temps de travail, est l'activité finalement la plus fatigante. Et ce témoignage, sous ce rapport-là, il fait vraiment écho avec le deuxième axe, qu'on nommait les gens apaiser les trajets liés au travail et qui en fait renvoie à tout un ensemble d'aspirations liées au déplacement lié au travail. Aujourd'hui, les gens qui consacrent trop de temps, c'est ce qu'ils nous ont dit, ils se déplacent trop souvent et ce temps de déplacement, en plus de ça, occasionne une sorte de contrainte, de stress, avec la crainte de ne pas être à l'heure à son travail. Et en plus, ils nous disent-ils, ils sont tout à fait conscients de ce que très souvent, ces modes de déplacement sont polluants, émettent des gaz à effet de serre ou des particules. Et donc, leur souhait, c'est de remettre en cause l'ensemble de ces caractères. Et donc, ils ont fait un certain nombre de propositions. La première d'entre elles concerne les entreprises. Ils disent, il faut inciter les entreprises à améliorer les déplacements et les modes de travail de leurs employés. Ils sont raisonnables, ils disent, proposons-leur des incitations en leur attribuant une prime, un avantage fiscal, dès lors qu'elles mettent au moins deux actions collectives pour améliorer les déplacements de leurs salariés, leur rythme de travail, la mise à disposition de moyens de transport non polluants. Voilà.
le renforcement du télétravail, tout un ensemble d'éléments. Voilà, faisons cette proposition pour enfin que ces questions-là soient traitées par les entreprises. Deuxième type de proposition qu'ils font, c'est l'idée de créer un renforcement très grand des écomobilités partagées, c'est ainsi qu'ils les appellent. Ils appellent à créer un service public national des mobilités partagées. Alors qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est l'idée qu'il faut poser le principe d'un service public national des mobilités partagées, service qui sera mis en œuvre à l'échelle des collectivités. Comment ? Ben, l'idée, c'est de mutualiser tous les véhicules qui sont disponibles, ceux des collectivités territoriales, ceux des entreprises, mais aussi ceux des particuliers, afin que tout le monde puisse accéder à un pool de véhicules partagés. Une proposition originale. Et puis, ils sont aussi soucieux de la continuité de l'offre de transport. Et ça se manifeste en particulier à travers deux propositions. L'une qui concerne l'articulation entre les vélos et les transports en commun. Là, l'enjeu pour eux, c'est d'assurer en amont et en aval des transports collectifs des conditions qui vont permettre une véritable articulation qui n'est pas réelle aujourd'hui entre le vélo et ces modes de transport collectif. Ça veut dire des parcs de stationnement, ça veut dire des pistes qui permettent d'accéder aux gares ou aux points d'arrêt. Ça veut dire la possibilité parfois d'embarquer aussi des vélos. Et puis ça veut dire trouver à l'arrivée un service de vélo équivalent. Sur un autre registre, il voudrait également qu'on multiplie hors des villes les plateformes d'échange entre voitures et autres systèmes de transport collectif. La logique qu'ils défendent, c'est celle de la multiplication de hubs, c'est ainsi qu'ils les appellent, ce qui seront des points à la fois d'échange de modes, un peu sur le modèle des zones parfois de covoiturage qui peuvent exister de ci et de là, mais ils proposent qu'on y additionne tout un ensemble de services qui vont contribuer à éviter des déplacements, des boutiques, trouver des légumes, etc. Donc c'est la conjonction en fait de services de proximité et d'un système de transport. Et puis il y a deux propositions qui ont été formulées par des territoires et ont un caractère moins général. C'est en Île-de-France la volonté de disposer de transports collectifs plus sûrs, plus confortables, plus confortable avec des matériels rénovés, des services de Wi-Fi, le respect de la propreté, et puis sécurité, avoir des gens qui sont là pour empêcher, prévenir les problèmes et ou contribuer à les réguler. Et puis, à l'île de la Réunion, la demande, c'est d'avoir la possibilité d'avoir un train qui desservirait le pourtour de l'île, bien connecté avec les autres systèmes de transport collectif, qui serait un transport propre. Et c'est aux antipodes, il faut le savoir, de ce qui existe aujourd'hui où une route continue d'être construite autour de l'île. Et maintenant, nous allons aborder le troisième axe avec une vidéo de Déborah. J'ai un employeur et je suis prestataire donc chez un client. Et on a des horaires obligatoires, c'est-à-dire que je dois être à 9h au travail. Donc en télétravail, je dois être à une réunion à 9h10, mais je dois être à 9h au travail. Ça peut être bien avant, je peux commencer à 7h si je veux, mais il faut qu'à 9h je sois au travail jusqu'à 11h30. C'est pour l'organisation des réunions. Et après, c'est 14h, 16h30, les horaires obligatoires. Je dois faire un certain nombre d'heures, mais que j'organise exactement comme j'ai envie. Parce que je suis développeuse, je suis cadre. Donc il y a une idée de responsabilité dans son travail et d'autonomie. Ça me plaît comme ça, parce que j'ai vraiment une grande indépendance dans le travail. Quand j'estime que j'ai terminé à 16h30, je peux rentrer chez moi et le lendemain, je peux avoir une charge de travail plus importante et partir plus tard. Comme je suis à vélo, je suis pas totalement dépendante du trafic non plus. Je peux passer devant les bouchons de voiture et c'est pas quelque chose qui m'embête beaucoup. Donc je trouve des avantages au télétravail parce que je gagne beaucoup de temps, mais la contrainte pendant le Covid, quand même, du fait que je fasse plus de trajets, c'est que je ne fais plus mon sport quotidien non plus. Et je passais par des parcs ou des choses comme ça, des moments où je pouvais flâner, et c'est quelque chose qui me manque un petit peu. Donc quelque chose que j'aimerais, ce serait de réduire ce temps de trajet, mais quand même l'avoir.
parce que j'ai besoin d'une transition entre le travail et chez moi et entre chez moi et le travail pour me mettre dans la mentalité du travail et quand je rentre à la maison, ne plus être au travail. Et il faut qu'il y ait une coupure. Et avec le télétravail, il n'y a pas cette coupure. Il y a mon bureau, mon ordinateur est sur le même bureau que l'ordinateur personnel. Donc je suis toujours en train de travailler le soir quand j'ai terminé de travailler. Alors ce qui nous semblait intéressant en fait ce qu'exprime Déborah, c'est en fait que c'est les multiples arrangements, les multiples décisions qu'il faut faire pour organiser son mode de vie en fonction de ses déplacements, ou plutôt pour organiser ses déplacements en fonction du mode de vie qu'on veut vivre. Et donc ça introduit bien le troisième axe, qui est donner du pouvoir d'agir aux citoyens. Donc là, d'une certaine façon, on s'éloigne de la question stricte des déplacements et du travail pour arriver à toute une nébuleuse de propositions. On sort des questions spatiales pour passer aux questions temporelles, cher à Jean-Yves Boulin qui nous a aidé sur ce sujet pour préparer le dispositif citoyen. On va passer aussi aux questions sociales et aux questions politiques. Alors, questions temporelles, on a deux propositions qui vraiment mettent en avant la nécessaire articulation du rythme de vie et du rythme de travail. Alors pour ça, les citoyens demandent à ce qu'on tienne compte des contraintes des salariés et que les entreprises, donc les contraintes des salariés, ils visent bien sûr les contraintes familiales, les contraintes de trajet, mais aussi les événements imprévus qu'on peut avoir. Et ils souhaiteraient que ce soit fait non seulement par les RH au moment de l'embauche, mais aussi au moment des entretiens individuels, voire effectivement à la demande quand on a un imprévu auquel faire face. Dans la même ligne, il souhaiterait que soit mis en place un revenu parental, en particulier au moment le plus stressant de la vie active, quand on a des enfants en bas âge. Deux autres propositions sont des propositions à caractère qui articulent la question des déplacements avec la question sociale, et donc plus sur la mobilité inclusive, c'est-à-dire vraiment réfléchir à la mobilité pour tous. Alors pas seulement le handicap au sens habituel, au sens strict, les personnes qui sont à mobilité réduite ou qui ont des problèmes de vue par exemple, mais vraiment toutes les personnes qui ne peuvent pas se déplacer de façon fluide. Et ce qu'on sait, c'est que en gros, c'est la grande majorité des gens ont des raisons en fait de ne pas avoir une mobilité fluide. Ça peut être parce que vous tenez des enfants par la main, parce que vous avez une poussette, parce que vous êtes momentanément par exemple vous avez eu un accident, etc. Donc en fait, il y a une majorité des personnes n'ont pas de mobilité fluide au quotidien. Deuxième proposition, là ça concerne spécifiquement les gens qui travaillent en horaire décalé et qui aimeraient que les transports collectifs soient en fonctionnement, y compris en dehors des horaires habituels. C'est ce qu'ils ont appelé les transports 24 heures sur 24. Enfin, deux propositions, une qui apparaît-il est très classique dans les dispositifs de démocratie participative, éduquer les enfants aux impacts de la mobilité. Et enfin, plus généralement, que les citoyens soient systématiquement associés à ce qui a un impact direct sur leur mode de vie, et en particulier les questions territoriales et de transport. Donc là, on vous a présenté les 16 propositions. On va passer maintenant donc à la partie discussion avec mesdames Rossi et Bateau. Donc ce qu'on vous propose, c'est de revenir en fait sur chacun des trois axes. Et peut-être donc en commençant par le premier, qui était donc, je vous le rappelle, pouvoir vivre en dehors des grandes villes. Alors, dire d'un mot, aujourd'hui, 70% de la population française ne vit dans des espaces qui ne sont pas des métropoles de plus de 500 000 habitants. On a vu que pendant la phase Covid, ce sont ces métropoles-là dans lesquelles il était difficile de vivre. Une partie de la population, quand elle le pouvait, essayait d'en sortir. Et donc cela pose la question de l'organisation du territoire, de l'aménagement du territoire, qui était très, très importante en fait dans les esprits, y compris dans les politiques publiques dans les années 70-80, et dont on a l'impression que c'est sorti un petit peu du spectre des politiques. Donc je
pose déjà la première question. En fait, à votre avis, quel est cet enjeu d'aménagement du territoire et quelles sont les propositions des citoyens que vous aimeriez porter? Je m'adresse d'abord à Madame Rossi, et puis ce que je vous propose, c'est que la fin du débat, ce sera Madame Bateau qui conclura. Ça vous va? Alors, axe par axe, oui. Bien. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour également à ceux qui nous suivent à distance. Et avant tout, merci. Merci pour ce travail que j'ai eu la chance de suivre, puisqu'effectivement, je faisais partie de ce petit groupe d'élus. Et j'ai vu naître ces propositions qui ont été enrichies avec ce panel citoyen. Et je crois que voilà, nous ne pouvons que nous féliciter, évidemment, de l'association de nos concitoyens à cette réflexion majeure sur le sujet des mobilités. Et vous l'avez très bien dit. Je voulais juste le rappeler en introduction. Cette question des mobilités, elle est malheureusement trop peu abordée à la fois par les médias, mais également, je crois, dans le cadre de nos débats politiques. Elle est souvent abordée sous l'angle du projet, finalement, le prolongement de telle ligne, le financement de telle infrastructure, mais assez peu via les questions sous-jacentes qu'elle pose en matière de démocratie, parce que je suis persuadée et convaincue que les mobilités sont au cœur de la crise démocratique que nous traversons. Mais évidemment, sous les angles écologiques, économiques, sociaux, démographiques, territoriaux, qu'elle pose très clairement. Et on voit bien qu'on est là à un tournant décisif, à bien des égards, de manière structurelle d'abord, parce qu'on voit bien que nos usages ont évolué, que le numérique, évidemment, a pris une part très importante dans notre quotidien, que la question écologique est plus que jamais posée, et ça l'a été rappelé par le film qui était très bien fait. Les transports représentent plus de 30% des émissions de gaz à effet de serre. Donc là, un enjeu évidemment majeur de réduction des gaz à effet de serre. Et puis, la crise sanitaire que nous traversons, qui pose des questions conjoncturelles, mais qui pourront sans doute demain devenir structurelles. Je pense notamment au télétravail, et ça a été très bien évoqué par les témoignages que nous avons entendus, et l'organisation finalement plus largement du temps de travail et le temps que nous consacrons à ces déplacements. Alors, les propositions qui sont faites justement sur ce premier axe, pour pouvoir vivre hors des grandes villes, posent de fait finalement l'alternative à la voiture individuelle pour des Français qui ont fait le choix, ou pas d'ailleurs, parce que se pose aussi la question du coût du logement, qui a contraint beaucoup de nos concitoyens à aller s'installer en dehors des métropoles, en dehors des villes, parce que le logement y était évidemment plus abordable, mais qui du coup se voit infliger des temps de travail, des temps de déplacement beaucoup plus importants pour aller à leur travail. C'était le cas de Jamel, qui vivait à Trappes tout à l'heure et qui l'a extrêmement bien exprimé. Alors moi, par rapport aux propositions qui sont faites, je veux avant tout vous dire que c'est justement le pari que l'on a fait dès le début de ce quinquennat, que d'offrir une alternative à la voiture individuelle en tout point du territoire à chaque Français. Et c'est l'enjeu des différentes lois que nous avons votées. La première, c'était la loi Pacte ferroviaire, qui fait du train, en tout cas c'est l'objectif, le moyen de déplacement majeur du quotidien. Donc refaire du ferroviaire le levier des déplacements du quotidien, avec des investissements sans précédent, 10 milliards d'euros par an, pour rénover notre réseau et justement mettre la priorité sur les petites lignes. Et c'est donc ces petites lignes qu'on retrouve évidemment sur l'ensemble du territoire. Et on a fait une pause. On a dit stop, on arrête les grands projets, on arrête les grandes infrastructures, on arrête les LGV temporairement pour se recentrer sur la rénovation du réseau et justement redonner de l'élan à ces transports ferroviaires. Et puis il y a évidemment les transports en commun, en milieu urbain, périurbain, qui sont évidemment un objectif majeur, favorisé par la loi d'orientation des mobilités. Et ensuite, la loi climat résilience et la loi 3DS, j'aime pas trop ces acronymes, mais la loi différenciation, décentralisation que nous venons de voter. Donc trois autres lois qui ont suivi et qui visent à donner un cadre à tous nos territoires, toutes nos collectivités, à leur donner des outils pour s'emparer justement de ces nouvelles mobilités. Bien sûr, les transports en commun, avec des financements derrière, mais également le covoiturage, l'autopartage bien d'autres, le transport à la demande, et leur donner la possibilité, y compris de s'en saisir d'un point de vue numérique. Et donc, ouverture des données et la capacité, bien sûr, d'offrir aux usagers le pouvoir de s'informer. Et ça rejoint d'ailleurs le service public national des mobilités, dont on parlera tout à l'heure, mais qui fait partie des propositions. Tout ça pour vous dire que le cadre est posé pour donner à chaque collectivité la possibilité, justement, de s'emparer de ce sujet et d'offrir aux citoyens cette alternative à la voiture individuelle avec des financements derrière.
et un accompagnement, bien sûr, parce qu'il ne suffit pas de leur donner les outils, il faut pouvoir les aider en matière d'ingénierie humaine, technique, financière, à s'approprier ces sujets. Et à mettre fin, finalement, à ces zones blanches de mobilité qui représentent 80% encore de notre territoire, c'est-à-dire des territoires où, clairement, les Français n'ont pas d'autre alternative que prendre leur voiture pour aller faire leurs courses, pour aller travailler, avec, évidemment, l'impact économique que ça implique. Et là, évidemment, un sujet plus que d'actualité, celui de l'énergie. Mais là aussi, nous avons mis en place des aides pour acquérir des véhicules plus propres, électriques, hybrides. L'impact écologique, je n'y reviens pas, mais il est majeur, évidemment, et c'est bien l'enjeu. Et puis l'impact social, puisque le temps consacré à ces déplacements est autant de temps qui n'est pas consacré à autre chose. Et évidemment, l'enjeu est de rétablir de la proximité. C'est aussi l'enjeu, tout l'objectif du programme Action Cœur de Ville, qui est de redynamiser des centres-villes en périphérie des métropoles, en ruralité, pour justement redonner vie à ces villes, à ces villages, recréer des pôles de vie, ça fait partie des propositions justement de ce premier acte, recréer des emplois, repositionner des services publics, des équipements, pour permettre aux Français qui y sont installés ou qui souhaitent s'y installer, eh bien de ne pas avoir à parcourir des kilomètres ou passer une heure, deux heures dans leur voiture ou dans les transports en commun pour aller travailler, mais finalement travailler à proximité de chez eux. Voilà, donc tout ça pour dire que... Finalement, la question ne peut pas être abordée uniquement sous l'angle de l'infrastructure de transport ou sous l'angle purement mobilité. Je crois que ça invite à une réflexion beaucoup plus large sur l'aménagement du territoire, la politique du logement, j'y reviens, mais donc le coût du logement et la politique de peuplement que nous voulons mettre en place dans notre pays, notamment en matière de logement social et de mixité sociale dans nos villes, dans nos villages, dans nos métropoles, et évidemment les pôles économiques que nous souhaitons y installer. Voilà. Et une fois qu'on aura posé la question de manière globale, en mettant en corrélation tous ces enjeux-là, eh bien, je crois que nous parviendrons vraiment à répondre à la question. Voilà. Donc le chantier est immense. On y répond. Et ce quinquennat, je crois, a été majeur sur la question. Mais je crois qu'on a encore beaucoup de travail pour embrasser la question plus largement et finalement refaire de l'aménagement du territoire. Je crois que dans notre pays, depuis 3 décennies, on ne fait plus d'aménagement du territoire, aussi bien au niveau national que local, et c'est bien ce qui doit nous guider pour la suite. Voilà. Du coup, Madame Bateau. Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup de l'invitation. À cet échange, j'avais eu l'occasion aussi de suivre déjà depuis un moment les travaux du forum. Et ce que je voudrais dire pour commencer, c'est souligner leur importance. Parce qu'en fait, c'est un renversement assez radical et indispensable de la conception des politiques de mobilité depuis des décennies. Les politiques de mobilité depuis des décennies sont dans une logique de croissance sans limite des besoins de mobilité et d'un débat qui est enfermé dans la question du report modal ou du changement de technologie des différents instruments de mobilité, donc voitures électriques, qu'est-ce qui peut passer par le train, etc., etc., mais dans une logique où, y compris la loi sur la mobilité sous l'actuel quinquennat et présentée par l'actuel gouvernement, commence par dire il va y avoir une augmentation des besoins de mobilité, il faut continuer à augmenter les besoins de mobilité. Parallèlement, donc moi je suis élue d'une circonscription rurale, donc le point 1 m'intéresse au plus haut niveau. Je veux le raconter concrètement, en fait, tel que moi je le vis depuis des années. Chaque rentrée, quand un directeur d'administration centrale à l'échelle départementale me demande rendez-vous, je me demande, c'est pour m'annoncer la fermeture de quel service public ? J'avais la chance d'avoir dans ma circonscription, et j'ai toujours d'ailleurs la chance d'avoir dans ma circonscription une ligne de train qui était desservie par chaque jour plusieurs TGV, et ces arrêts TGV ont été diminués de 3 liaisons par jour et quasiment autant de TER parce que les faisceaux ont été pris par une nouvelle ligne LGV qui a été constituée pour mettre Bordeaux un petit peu plus rapidement proche de Paris, un territoire qui, par ailleurs, rencontre les problèmes de démographie médicale, où, par exemple, quand il faut prendre un rendez-vous avec un ophtalmo, il faut faire une heure à une heure et demie de voiture.
Donc en fait, et tout le phénomène qui est souligné dans ce qui a été dit et dans les témoignages de la métropolisation qui elle-même s'est cumulée avec beaucoup de changements de cartographie. Voyez le redécoupage des cantons qui fait qu'il n'y a plus cette logique, ou en tout cas moins du chef-lieu de canton, et ainsi de suite. Bon. Donc on a en fait depuis des années, je prends ces exemples pour dire à quel point en fait depuis des années, structurellement, tout au long des 30 Glorieuses, c'est autour de la voiture que s'est aménagé le territoire en France, d'où l'occupation des ronds-points, mais que ça continue. Ça continue aujourd'hui, des investissements dans des nouvelles routes, c'est relancé aujourd'hui, des nouveaux projets de lignes LGV, donc on n'a pas du tout encore changé d'orientation et il y a un combat pour changer ces orientations. Je veux insister avant de venir sur les solutions quand même, sur les constats de façon clinique, parce qu'il en manque un. Je pense que c'est très bien expliqué ce qui est dit sur la perte de temps, sur la perte de qualité de vie, les souffrances qui en résultent. On est aussi dans un moment particulier, et ce n'est que le début, où c'est la gravité en fait, des conséquences économiques et des conséquences sociales de ce que signifie aujourd'hui la dépendance à la voiture à énergie fossile pour se déplacer tous les jours. On a aujourd'hui même un nouveau record des prix des carburants, donc on a aussi une urgence à en sortir pour des raisons économiques et des raisons sociales, et sachant, c'est l'autre élément de constat que je voulais rappeler, que ça a été dit sur les enjeux climatiques, en fait, la part des transports dans les émissions de gaz à effet de serre de la France, il faut ajouter une chose, c'est le seul domaine dans lequel les émissions de gaz à effet de serre continuent d'augmenter, alors que dans tous les autres secteurs d'activité, depuis les années 90, elles ont diminué, sauf dans le secteur des transports. Donc, il faut un renversement qui passe, pour moi, par ce qu'est une stratégie, qui est une stratégie de démobilité, donc qui n'enferme plus le débat seulement sur les instruments de mobilité, mais sur la façon dont on réduit les besoins de déplacement et dont on répond à l'aspiration à ralentir qui s'est renforcée avec l'expérience de la pandémie et l'expérience du confinement. Donc sur les solutions, c'est d'abord stop à l'éloignement et c'est une forme de retour de la ruralité et donc du retour des services publics de proximité avec des propositions comme celles que nous portons sur une agence de rénovation rurale, avec la règle des 15 minutes en fait, pour accéder à des services de base, que ce soit du commerce, de l'artisanat ou évidemment des services publics. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Le deuxième, c'est d'introduire dans les logiques d'aménagement du territoire, deux instruments en fait, de règles du jeu. L'un, c'est la règle des 500 mètres en fait, par rapport à un point de transport d'une façon ou d'une autre. Et la deuxième, c'est la logique du score de dépendance automobile. En fait, aujourd'hui, quand on crée des nouveaux logements ou qu'on crée des nouvelles implantations d'entreprises, qu'on arrête en fait, d'aggraver le problème et qu'on cherche au contraire à le réduire. Je souscris aux propositions qui ont été avancées, en fait, en particulier pour les territoires ruraux ou périurbains sur la logique de système alternatif en fait qui soit adapté aux besoins et à la demande, sachant qu'il y aura aussi toujours besoin de voitures, parce que je ne vais pas faire un long développement sur tous les horaires décalés et le fait que même sur le covoiturage aujourd'hui on rencontre un certain nombre de limites liées aux différences de temps, mais voilà, je voulais souligner l'importance de ce qui est dit sur cette notion de pôle de vie. Et peut-être après, on va parler de la question des entreprises, mais je pense qu'en fait, ce qu'on est en train de dire sur la réduction des besoins de mobilité, le fait de répondre à l'aspiration à ralentir, doit impacter aussi la question du temps de travail et de l'organisation du temps de travail. Aujourd'hui, ce n'est pas suffisamment le cas, et je pense que ça enchaîne peut-être aussi avec la partie 2 qui revient sur la question des entreprises. Comme ça, je fais la transition. Merci Delphine. Je ne sais pas si je redonne la parole à Lauriane sur cette question. On voit qu'il y a vraiment autour de l'axe 2 le souhait que les trajets liés au travail soient apaisés et avec des propositions qui s'adressent à la fois au pouvoir public,
mais aussi qui concernent les entreprises. On sait qu'aujourd'hui, il existe un certain nombre d'outils qui existent, comme le plan de mobilité, pas plan de mobilité entreprise, le forfait mobilité durable. Or, en fait, ces outils qui pourraient répondre peut-être aux propositions faites par les citoyens, en fait, sont très peu aujourd'hui mis en œuvre par les entreprises. Un seul exemple, le forfait mobilité durable, sur les principales entreprises du CAC 40, il y en a 17 sur 40 qui proposent ce forfait mobilité durable. Et donc la question, au-delà de votre réaction sur l'ensemble de cet axe et des propositions qui sont faites, c'est qu'est-ce qu'il en est, que pourraient faire les pouvoirs publics pour qu'une étape soit franchie du côté des entreprises sur ces questions ? Alors, vous l'avez souligné, effectivement, concernant les moyens pour une entreprise d'inciter justement au déplacement plus vertueux de leurs salariés, de leurs collaborateurs, on a mis en place, entre autres, ce forfait mobilité durable. Je le rappelle, hein, 500 euros pour justement venir en aide aux salariés dans leurs déplacements, y compris par la route d'ailleurs. Et là-dessus, je veux juste rebondir, ça n'est pas la route qui est polluante, parce qu'elle est le support de toutes les mobilités, y compris les plus propres, notamment le vélo. Et là, on peut être fier d'avoir augmenté de plus de 30% les kilomètres de pistes cyclables dans notre pays en moins de 5 ans. Mais c'est bien ceux qui roulent sur la route. Je ferme la parenthèse. Donc ce forfait mobilité durable, aujourd'hui, c'est vrai, il est facultatif. Le sens de l'histoire, en tout cas, je l'espère, c'est qu'il devienne obligatoire. Très clairement, je le dis. Hein, que chaque salarié de ce pays puisse être aidé très concrètement dans ses déplacements plus propres. Et évidemment que la durée de ses déplacements, le temps qui leur est imparti, eh bien, soit diminué. Et là, c'est tout l'enjeu du débat que nous avions précédemment. Mais plus largement, il faut que ça devienne un objet, clairement, du dialogue social entre les salariés et le patronat. Moi, j'ai rendu récemment... j'étais rapporteur d'une mission d'information il y a quelques mois sur la conditionnalité des aides publiques aux entreprises. Mission d'information installée, évidemment, au plus fort de la crise, au moment où, justement, on mettait en place les mesures de soutien et le plan de relance. Et donc, nous étions plusieurs députés de tous bords à réfléchir, justement, sur les moyens de conditionner ces aides. Et au-delà, finalement, des conditionnalités qu'on peut poser à ces aides, comment bâtir avec nos entreprises des indicateurs permettant d'évaluer les efforts qu'elles font en matière de décarbonation de leur mode de production. Mais dans les modes de production, il y a évidemment l'outil de production en tant que tel, mais il y a aussi la vie de l'entreprise et les déplacements des salariés. Eh bien, aujourd'hui, ça n'est pas valorisé. Moi, j'espère que demain, parce que je suis persuadée que l'enjeu écologique, au-delà de l'urgence climatique, est aussi un enjeu de compétitivité pour nos entreprises, pour tout le secteur économique, à l'échelle européenne, mais internationale également, eh bien, il faut qu'on soit en capacité de leur montrer... chiffres à l'appui, indicateurs à l'appui, les efforts qu'elles ont pu accomplir. Et celles qui n'ont pas fait d'efforts, évidemment, les sanctionner. Et aujourd'hui, ça n'existe pas. Ou en tout cas, c'est balbutiant et c'est là-dessus, je crois, qu'il faut agir. Et évidemment, les déplacements des salariés, en tout cas la réduction des déplacements des salariés, fait partie des pistes et des indicateurs que nous avons à bâtir pour avancer avec elles sur ces questions-là. Aussi bien les déplacements domicile-travail, que les déplacements à l'intérieur du temps de travail. Ça a été dit tout à l'heure, je crois 40% des actifs accomplissent des déplacements pendant leur temps de travail. Donc ça aussi, ça doit être mesuré et voir avec quel mode de déplacement sont effectués, évidemment, ces trajets. Donc ça, c'est, à mon avis, la piste la plus importante, je crois, à mettre en place et faire en sorte que ce dialogue social autour de la décarbonation s'installe et que ces indicateurs soient bâtis branche par branche, secteur d'activité par secteur d'activité. Je voulais également parler d'intermodalité sur cette question-là, même si ça rejoint finalement le premier thème, mais c'est à mon sens un enjeu majeur des déplacements domicile-travail. Et là aussi, les entreprises, au travers du dialogue qui peut s'installer sur le versement transport, le versement mobilité, peut être intéressant. Aujourd'hui, il est très difficile, moi je le dis, alors je ne suis pas élue en ruralité, moi je suis élue dans les Hauts-de-Seine, aux portes de Paris, à Montrouge, Bagneux, Malakoff. J'accueillerai bientôt la future ligne 15 du Grand Paris Express, la première ligne, livraison prévue pour 2025. Aujourd'hui, l'intermodalité n'est pas pensée dans ces gares. Donc, je pense notamment aux habitants de la Grande Couronne qui, demain, voudront emprunter, évidemment, ce Grand Paris Express,
ce métro circulaire qui leur permettra de rejoindre très facilement les portes de Paris, eh bien, il n'est pas possible d'y laisser son vélo, d'y laisser sa voiture, parce que les parkings de rabattement n'ont pas été prévus. Et de la même manière, des voies de bus express réservées, ces fameuses lignes transversales dont vous parliez tout à l'heure, n'ont pas encore été pensées ni prévues en termes d'aménagement. Et ça, c'est un écueil, parce que clairement, cette réflexion doit être intégrée non seulement dans la conception de l'infrastructure, mais en y associant les entreprises pour justement réfléchir à ces flux. À ces flux domicile-travail et permettre à ces habitants de la Grande Couronne, Jamel par exemple, mais tant d'autres, qui justement ont été contraints de s'installer plus loin, n'ont pas les moyens de vivre dans la métropole, dans la zone dense, mais malheureusement sont obligés de faire ces trajets, parfois en voiture. Donc comment leur permettre d'abandonner la voiture ou bien de rapprocher finalement leur travail de leur domicile? Excusez-moi, mais est-ce que là-dessus, en fait, il n'y a pas un déficit de pensée de système alternatif? Parce que le vélo, on en parle, effectivement, il y a des pistes cyclables, mais on sait que le plus souvent, ça ne fonctionne pas en réseau. Pourtant, comme vous le disiez, ce n'est pas la route qui pollue, c'est ce qui circule sur la route. Pourquoi, en fait, puisqu'on a autant de routes, pourquoi on ne dédie pas une partie du réseau routier tout simplement au vélo? Et est-ce que c'est simplement, par exemple, sur le rabattement vers les gares, est-ce que c'est seulement le point de rabattement qui est un problème? Mais aussi, est-ce que ce n'est pas aussi l'accès, les infrastructures d'accès? C'est-à-dire que pour qu'un cycliste puisse avoir envie de déposer son vélo à la gare, encore faut-il qu'il puisse y arriver. Et le plus souvent, alors a fortiori, je reviens au territoire en dehors des grandes métropoles, il n'est pas possible de faire du vélo sur les routes secondaires. Vous avez tout à fait raison, et je crois qu'il faut ce que j'indique à l'instant, c'est-à-dire des voies réservées pour ces bus, pour les vélos. Alors ça pose la question des pistes cyclables. Là, on a mis 850 millions d'euros pour justement mettre un grand coup d'accélérateur sur la création de ces pistes, hein, plus 30% de création de pistes cyclables en moins de 3 ans. Bon, évidemment, le Covid a eu sans doute un effet accélérateur, le plan de relance aussi, mais je crois qu'il faut s'en réjouir et aller plus loin et tripler la part modale du vélo, qui est encore très faible dans notre pays, il faut le souligner. Donc évidemment, l'enjeu de l'infrastructure est majeur, des voies réservées de manière à pouvoir accéder rapidement à l'infrastructure de transport en commun, si c'est le cas. Voilà. Donc, et puis, évidemment, la question du stationnement. Parce que qui dit laisser sa voiture dit, évidemment, le coût du stationnement et, si possible, la gratuité pour pouvoir ensuite emprunter des transports beaucoup plus propres. Voilà. Donc la question est globale et ne peut pas se limiter au seul transport en commun. Il faut réfléchir à la manière dont on accède à ces infrastructures nouvelles. Delphine Bateau, sur cette proposition. Alors, juste rebondir sur l'exemple de nouvelles dessertes, enfin de gares où rien n'est prévu pour les vélos, etc. En fait, on est quand même dans un schéma sur l'Île-de-France aujourd'hui où il y a des milliards d'euros qui sont mis dans la création de nouvelles lignes alors que le réseau existant est dans un état mais totalement piteux, totalement anormal sur des choses de base, hein. Bonne chance pour prendre le RER avec une poussette, pareil pour le métro, etc. Et où, en fait, sont faits des choix lourds d'aménagement du territoire sans intégrer la question transport dès le départ. Je trouve qu'hier, je devais faire une conférence à HEC. Il n'y a aucun moyen de se rendre à HEC à part en voiture. Vous allez sur le plateau de Saclay, vous avez aujourd'hui des milliers de gens qui vont au plateau de Saclay, qui n'ont même plus de place pour garer la voiture. On peut multiplier les exemples. Et à côté de ça, il est prévu une nouvelle ligne avec une gare, là où devait y avoir, vous savez, le projet Europa City. Il n'y a plus le projet Europa City. Ce sont des terres qui sont des terres agricoles, mais il va quand même y avoir une gare au milieu de rien, parce qu'en fait, amener la gare là, c'est le moyen de faire une projection sur la future artificialisation des sols de ces terres agricoles pour des projets d'activité économique. Bon, on ne peut pas continuer comme ça et il faut faire des choix de priorité qui mettent fin à cette logique complètement infernale. Alors, l'exemple du vélo, il est très révélateur du fait que profondément, moi je crois dans la technostructure, les décideurs publics, etc. Il y avait une incrédulité en fait sur le développement du vélo taf. Donc, si vous voulez, c'est pas intégré cette question de même là où on fait des nouvelles lignes, etc., prévoir
l'interconnexion en fait avec l'utilisation du vélo, parce que le mouvement de vélorussion actuel qui a été amplifié par le Covid, même s'il y avait déjà de l'investissement public dans les pistes cyclables, etc., je pense que beaucoup ne s'attendaient pas à ce qu'il prenne cette ampleur. Et c'était très révélateur, le témoignage qu'on vit tous, hein, d'ailleurs, tout à l'heure, de la jeune femme qui disait « J'étais embêtée pendant le confinement parce que, du coup, je ne faisais plus mon sport. » C'est-à-dire que toutes celles et tous ceux qui sont passés au vélo taf, soit de façon hyper régulière, hyper quotidienne, soit de façon plus intermittente, ils prennent du plaisir, en fait, et découvrent, en fait, une façon, une mobilité active dont ils ressentent que ça leur fait du bien. Donc, il faut continuer à investir massivement sur le vélo, de l'ordre de 500 millions d'euros par an, pour continuer le développement des parcours sécurisés en piste cyclable, qui passe effectivement par le fait d'utiliser la chaussée existante. Parce que je ne suis pas d'accord avec la logique que la route n'est pas polluante. En fait, plus on crée d'infrastructures pour la voiture, plus il y a de voitures qui circulent. C'est mathématique, en fait. Donc, il faut prendre de la place dans l'espace urbain, dans l'espace routier, pour d'autres formes de mobilité, que ce soit le vélo, que ce soit les bus cadencés, que ce soit le covoiturage aussi, qui devrait bénéficier de voies réservées, parce qu'en fait, c'est prouvé, notamment, alors à la fois pour le pouvoir d'achat et en termes d'impact et de réduction des émissions de gaz à effet de serre, que mettre fin à l'autosolisme, c'est un levier absolument considérable. Sur les entreprises, donc moi j'ai milité activement pour le caractère obligatoire du forfait mobilité durable et son doublement. Donc ça a été refusé au moment des débats législatifs, mais évidemment que c'est la clé. Sinon ça ne se développera pas, et c'est important effectivement qu'il intègre tous les types de mobilité. Je voulais revenir sur la question du temps de travail. Parce que nous proposons, nous, une convention citoyenne. Alors, en fait, un peu le même travail que ce que vous avez fait sur la question de la réduction du temps de travail, c'est-à-dire avec une approche qui n'est pas la même approche que celle qui a prévalu dans les années passées, avec un mode d'organisation de la réduction du temps de travail décidé par la loi et s'appliquant de façon relativement uniforme à tout le monde. Aujourd'hui, il y a une aspiration à faire évoluer les temps de travail, qui peut prendre différentes formes. J'étais très intéressée l'autre jour de lire que maintenant, il y avait une majorité de DRH des grandes entreprises qui étaient pour la semaine des 4 jours, qui étaient au point de départ extrêmement réticents à la semaine des 4 jours, et en fait qui constatait que la qualité de vie gagnée par les salariés en travaillant 4 jours par semaine avait renforcé l'engagement des salariés dans l'entreprise, avait augmenté leur bien-être au travail et donc leur attachement à leur employeur, et qu'en fait les DRH, ils voyaient finalement un moyen de rendre leur entreprise beaucoup plus performante, beaucoup plus attractive, et de développer le sens qu'avait le fait de travailler dans cette entreprise pour les salariés. Une majorité des salariés aussi sont pour, mais d'autres aspirent à d'autres formes de réduction du temps de travail. Le fait, par exemple, d'avoir une semaine pour faire des congés, par exemple, associatifs, ou s'investir dans la vie collective par an. D'autres, ça peut être l'aspiration à avoir, je ne sais pas, une pause de 6 mois tous les 5 ans. Et il faut ouvrir ce débat sur la question du temps de travail. Et elle a de lourds impacts sur les questions de mobilité aussi, parce que moi, dans un territoire que je connais bien dans les Deux-Sèvres, une des questions qui est posée, c'est celle des horaires décalés, en fait, par rapport au système de transport, ou par rapport surtout aux embouteillages dans des territoires où il y a le phénomène classique d'engorgement d'une agglomération. La question se pose d'avoir une organisation, en fait, des temps de travail qui soit différenciée. Et en fait, tout ce qui est en train de se passer aussi autour du télétravail et de la nécessité de l'encadrer, parce que là aussi, le témoignage sur du coup, maintenant, je travaille même le soir, etc., etc., que tout le monde connaît et que tout le monde vit, en fait, enfin, beaucoup, beaucoup de personnes vivent, nécessite là aussi de bien définir les bons avantages du télétravail, mais d'en éviter un certain nombre d'inconvénients sur l'envahissement, en fait, de la vie personnelle par le travail. Et donc, peut-être pour la... Pour le, pour
pour aborder le troisième axe et faire le lien avec ce que vous venez de dire, Madame Bateau, sur le télétravail. Donc, le troisième axe, vous vous souvenez, c'était comment augmenter le pouvoir d'agir des citoyens. Non, c'est juste pour dire, parce qu'il y a une proposition dont on n'a pas parlé, ni Lauriane ni moi, c'est sur l'idée du service de mobilité partagée. Complètement intégré, qui me paraît une excellente idée, probablement très difficile à mettre en œuvre dans le sens où l'enchevêtrement des questions de compétences, d'autorité régulatrice, etc., fait que ça me paraît un chantier indispensable à ouvrir, parce que enfin, tout le monde fait l'expérience de l'absence en fait d'interconnexion, même des systèmes d'information en fait, pour savoir quel transport on peut prendre, où, comment, etc. Mais je voulais en souligner l'immensité de la tâche en fait, que ce serait d'arriver à ça. Oui, peut-être sur ce point-là, c'est vrai que c'est un sujet important. On en rêve tous, hein. C'est-à-dire une application qui nous dit, en voulant partir d'un point A à un point B, toute l'offre de mobilité à disposition sur l'ensemble du territoire, et puis derrière la billettique, une billettique unique par exemple, ou à minima régionale, c'est-à-dire avec une seule carte, un seul ticket, vous pourriez emprunter tous les transports de votre choix dans la région, voire même sur l'ensemble du territoire. Effectivement, la tâche, elle est immense parce qu'on a plusieurs échelons en charge des mobilités dans notre pays, mais on y travaille et la loi d'orientation des mobilités pose un cadre en termes d'ouverture des données et de capacité pour les autorités organisatrices à s'en saisir pour offrir cet outil d'information qui va dans le bon sens. On en est encore loin, mais le cadre est posé. Et je crois que justement, si on veut des trains plus pleins et évidemment une fréquentation plus importante dans les transports en commun, ça passe aussi par une information en temps réel, fiable, sur l'offre à disposition, évidemment, sur un territoire donné. Donc ça, c'est un outil évidemment indispensable, mais on en est encore assez loin, en tout cas au niveau national. Oui, je vais dire que sur ce point, ça existe en Suisse. Hein, c'est une obligation de service public qui est faite aux opérateurs de mettre à disposition les données. Et c'est l'État qui fournit ce service public qui permet d'avoir une idée de quel est l'itinéraire qu'on doit suivre pour aller du point A au point B, quelle que soit sa situation en Suisse. Donc c'est faisable. Donc sur le dernier axe, en fait, donc les citoyens demandent plus de pouvoir d'agir, en particulier sur tout ce qui concerne l'aménagement du territoire et puis les infrastructures de transport et le fait de pouvoir vivre, le système qui permettrait de pouvoir vivre en proximité, en plus grande proximité. On a vu, en fait, le gouvernement finalement a lancé deux grandes manifestations de démocratie participative, que ce soit avec le grand débat ou avec la Convention citoyenne pour le climat. Par exemple, à la Convention citoyenne pour le climat, il y avait vraiment un volet sur les déplacements. Une partie seulement est assez. Donc, vous allez nous dire si elle est faible ou pas, l'une et l'autre. Une partie seulement des propositions des citoyens a été reprise. Donc, qu'est-ce que vous pensez en fait de ce souhait d'être beaucoup plus, de la population d'être beaucoup plus consultée sur ce qui se passe sur les territoires ? Et en particulier, nous, c'est vrai qu'on s'interroge vraiment sur la question du télétravail, parce que on renvoie en fait l'organisation du télétravail à des négociations bilatérales entre les entreprises et les salariés, hein, alors que si on le mixait. Ou tout simplement, si on le repensait comme il a été pensé dans les années 70, on pourrait faire du télétravail un outil d'aménagement du territoire. Et il se trouve qu'aujourd'hui, la demande de télétravail par les salariés est beaucoup plus importante que ce qui est offert par les entreprises. Donc, est-ce que vous seriez prêt, par exemple, à vous saisir de ce sujet-là ? Moi, c'est un amendement que j'avais fait à la loi climat, donc qui là non plus n'a pas été, qui est le droit en fait, un certain nombre de jours télétravaillés pour tous les postes dans lesquels c'est possible. Il y a déjà un mouvement qui est en train d'intervenir. Je ne sais pas si vous avez lu l'étude qui est basée sur le nombre d'enfants inscrits à l'école. Qui montre que la rentrée dernière, je crois, ou à celle d'avant, on a en fait un début d'anomalie par rapport à ce que devrait être la tendance normale d'évolution des effectifs entre les grandes métropoles et un certain nombre de territoires ruraux, pas tous,
avec un début de correctif. Et l'autre jour, j'étais dans une commune de l'Isère où la maire de la commune me racontait en fait l'accueil de nouveaux habitants qui ont décidé de fuir les grandes villes parce qu'ils souhaitent vivre dans un cadre de vie agréable, au contact de la nature, avec des relations sociales plus apaisées. Et effectivement, le profil type, c'est un profil où on télétravaille et où il y a des déplacements de temps en temps pour aller à des réunions. Il faut dire quand même une chose, c'est que ce sont pas toutes les catégories sociales qui sont concernées par ce type d'évolution, mais il y a un début de mouvement qui est très significatif et qui, vu de ma fenêtre d'habitante d'un territoire rural, est aussi vécu chez nous comme une opportunité, comme une chance à saisir, en fait, de ne plus être dans la... Je sais plus quel terme vous avez utilisé tout à l'heure de désertification ou je ne sais quoi. On ne se vit pas du tout comme des déserts. Mais voilà, d'avoir effectivement un changement profond dans l'aménagement du territoire et dans la revitalisation et la recréation d'un certain nombre d'activités dans les territoires ruraux. Donc le télétravail y participe et il doit être encadré, et il doit être un droit pour tous les postes de travail pour lesquels c'est possible. Ça me paraît quelque chose de très, très important. Sur le pouvoir d'agir, il y a deux choses qui sont fondamentales. D'abord, par rapport aux démarches de type convention citoyenne et tout ce qui concerne la participation des citoyens aux décisions publiques, quelle que soit l'échelle, que ce soit une échelle nationale ou que ce soit une échelle locale, il y a besoin de poser dans la Constitution des règles du jeu institutionnel qui apportent la garantie aux citoyennes et aux citoyens qui participent à des processus de cette nature que il y aura une suite à leur travail, à leurs propositions. Sinon, ce qui s'est passé avec la Convention citoyenne pour le climat ou ce qui a pu se passer dans le passé avec d'autres dispositifs, moi-même j'avais conduit le débat national sur la transition énergétique et il y avait eu peut-être de nature différente, mais le précédent gouvernement avait lui aussi pas retenu l'entièreté des conclusions du débat national sur la transition énergétique. On ne peut pas continuer comme ça. Si on veut mettre fin à la désaffection démocratique, à l'abstention, etc., quand on dit aux citoyens que c'est elles et eux qui vont avoir la main pour prendre la décision, il faut que la règle du jeu soit inscrite dès le départ. Et c'est le travail qu'on fait avec Yannick Jadot, avec William Ocan, qui est un membre de la Convention citoyenne pour le climat, sur les propositions de ce qu'on a appelé l'Assemblée des possibles, qui est un travail comparable à celui que vous avez mené, mais avec un échantillon un peu plus petit, sur justement la façon de transformer nos institutions pour inscrire la démocratie citoyenne dedans avec des règles du jeu qui soient claires. La deuxième remarque que je voulais faire, c'est que on ne peut pas dire aujourd'hui que les citoyennes et les citoyens ne participent pas ou ne s'expriment pas. Si on prend la question de l'Île-de-France et des RER dont on parlait tout à l'heure, ou si on reprend une des propositions du forum sur la question des mobilités de banlieue à banlieue, ça fait quoi ? Ça fait 25 ans, 30 ans, 20 ans que c'est le combat principal des associations d'usagers, ou c'est le message principal d'un certain nombre de franciliens de la Grande Couronne. Et donc, il y a beaucoup de messages. Pareil, ce qui était dit sur la question du confort et de la sécurité dans les transports en Île-de-France, où c'est une demande forte, historique, récurrente des associations d'usagers, mais qui ne s'est, dans lequel il y a eu, on peut dire, quelques investissements, etc., mais qui ne s'est pas traduit dans des décisions particulièrement lourdes. Je rebondis également sur ces deux aspects. Alors, concernant le télétravail, bon, évidemment, on imagine bien les avantages que cela peut procurer à bon nombre de salariés, bon, essentiellement des cadres quand même, on ne va pas se mentir. Et ça pointe à mon sens quand même plusieurs écueils sur lesquels, je le crois, il faudra poser des garde-fous, ou en tout cas avoir un regard extrêmement attentif. Premièrement, les inégalités, effectivement, ça a été dit, le télétravail n'est pas adapté à toutes les professions et à toutes les catégories socioprofessionnelles. Donc,
faudrait pas, je crois, aggraver, enfin, en tout cas, renforcer le sentiment d'inéquité entre col blanc, col bleu, enfin, même si on a de moins en moins de col bleu, malheureusement, dans notre pays, mais ça se pose à d'autres questions. Mais voilà, tout n'est, enfin, le télétravail n'est pas accessible à tous les travailleurs, et ça, ça reste quand même une question. Par ailleurs, l'entreprise reste, à mon sens, l'un des derniers cadres structurants en matière de relations sociales avec l'école. Et là aussi, moi, j'ai des témoignages, hein, dans ma circonscription d'habitants qui me font part de leur sentiment d'isolement. Et pour certains d'entre eux, ils n'ont même jamais mis les pieds dans l'entreprise puisqu'ils étaient en début de contrat au moment où la crise sanitaire a démarré. Et je me mets à la place d'un jeune qui rentre dans la vie active, qui du coup ne connaît pas son équipe, ne connaît pas ses collègues, a mis les pieds jamais ou une, deux, trois fois dans l'entreprise. C'est extrêmement compliqué. Voilà, socialement parlant, de trouver sa place dans l'entreprise, mais sa place en tant qu'individu et en tant que collaborateur à proprement parler. Donc il y a un enjeu de cohésion, un enjeu d'inégalité, et puis un enjeu peut-être écologique qu'il faudra mesurer. Parce que moi, je ne suis pas certaine que les déplacements, enfin, que faire Bordeaux-Paris deux fois ou trois fois par semaine soit écologiquement moins... moins important d'un point de vue empreinte carbone que des trajets plus courts, certes quotidiens, mais de banlieue au centre de Paris. Voilà, là je soulève juste une question, mais il faudra le mesurer à mon avis. On a encore très peu de recul finalement et on attend avec impatience d'avoir des chiffres, des statistiques tangibles sur les départs des personnes qui vivent dans les métropoles ou aux abords vers la province, mais ça mériterait effectivement d'être mesuré, y compris d'un point de vue environnemental. Moi, je vois bien, en tout cas, dans mon département des Hauts-de-Seine, l'intérêt qui ont les entreprises. Je vois, par exemple, le quartier de la Défense où beaucoup de sièges sociaux se dépeuplent. Et clairement, on a des entreprises qui, aujourd'hui, rendent les locaux ou une partie des locaux. Ils font de l'optimisation foncière grâce au télétravail. Voilà, en incitant finalement leurs salariés à rester chez eux avec une pression sociale importante, parce que faire du télétravail, ça peut être très compliqué. Et donc se défaire des locaux qu'ils louaient ou dont ils étaient propriétaires. Voilà. Donc, je vois aussi des patrons me dire peut-être qu'à terme aussi, on délocalisera. On savait délocaliser l'emploi industriel, on peut aussi délocaliser l'emploi de cadre, puisqu'après tout, celui qui télétravaille à Bordeaux, il peut aussi télétravailler en Inde ou aux Philippines. Hein. Voilà. Et ça, les syndicats, à mon sens, ne se sont pas encore saisis de ces questions-là. Et c'est un vrai sujet. Hein. Donc c'est devant nous, ça méritera d'être mesuré et d'être étudié. Mais en matière de déplacement, évidemment, ça peut être vertueux, mais à mesurer. Alors, sur les outils de démocratie participative, évidemment, un grand oui, et c'était tout le pari que nous avions fait avec la Convention citoyenne pour le climat, qui est un exercice démocratique inédit et extrêmement réussi, même si tout n'a pas été repris. Il y a 25% à peu près des propositions qui ont été faites par les 150 membres qui n'ont pas été reprises pour diverses raisons. Soit ces propositions étaient déjà intégrées dans des lois que nous venions de voter, notamment la loi d'orientation des mobilités. Soit elles ne répondaient pas à la demande qui était effectivement de réduire les gaz à effet de serre sans augmenter la pression fiscale sur nos concitoyens. C'était l'exigence de départ par rapport aux réflexions. Pour le reste, tout a été repris et sans filtre. Je reprends les propos du président de la République jusqu'à la réforme de notre Constitution qui n'a pas été jusqu'à son terme. Mais pour le coup, toutes les propositions ont été étudiées par les parlementaires. Après, le débat parlementaire a eu lieu. Et là, non, c'est pas une connerie. Non, mais vous pouvez juger que le sans-filtre du président de la République est une connerie. Mais en revanche, le débat parlementaire sur toutes les propositions, en dehors de celles qui figuraient déjà dans des lois que nous avions adoptées, a eu lieu. Après, que tout n'ait pas été adopté, j'en conviens. Mais c'est le jeu du débat parlementaire. Et peut-être que c'est une connerie, comme vous le dites, mais le débat parlementaire a eu lieu. Moi, je crois qu'il faut aller plus loin sur ces questions-là. Évidemment, l'envie de nos concitoyens de participer est là. Encore faut-il leur proposer le cadre approprié. Et aujourd'hui, on voit bien que nos institutions ont besoin, évidemment, d'être modernisées ou en tout cas de trouver, enfin, d'offrir de nouveaux espaces, notamment à l'échelon local. Et c'est tout l'enjeu des outils de démocratie participative qu'il nous faut mettre en œuvre. En évitant l'écueil je le vois, moi, dans ma circonscription, je suis aussi élue locale à Montrouge, conseillère municipale, conseillère intercommunale. Dans nos réunions publiques, et y compris dans les réunions du grand débat, on voyait un peu toujours les mêmes. Donc les responsables de comités de quartier, les responsables associatifs, etc. Donc comment arriver à raccrocher des habitants parfois très loin, justement, de ces réunions, ça, c'est tout l'enjeu. Moi, j'ai tenté une expérience dans ma circonscription qui est le conseil citoyen... tiré au sort. Donc j'ai essayé de reproduire peu ou prou la convention citoyenne à l'échelon local. Donc en tirant au sort 120 habitants
avec un huissier, on a respecté le découpage des quartiers, et j'ai surpondéré par contre la représentation des jeunes en exigeant 40% de jeunes, parce qu'on ne les voit pas très clairement dans nos réunions. Et ça fonctionne. Ça fonctionne quand vous les associez clairement à votre action. Donc on a mené ensemble, on a construit ensemble des amendements qui, pour certains, ont été adoptés en matière de continuité des pistes cyclables, par exemple. Voilà, donc c'est vrai que Delphine Bateau le disait tout à l'heure, quand on associe les usagers, quand on associe les habitants, ça fonctionne. Mais je crois qu'il faut partir d'objets très concrets, d'objets du quotidien, et non pas poser des questions très générales, parce que là, ça ne marche pas. Voilà, donc il faut savoir travailler ensemble sur des objets extrêmement concrets, mais ça fonctionne. Bon, malgré tout, je ferai une remarque. Là, j'en ai au moins en tête une proposition des citoyens qui allait dans le bon sens de la transition écologique et sociale, qui était d'interdire la publicité pour les véhicules lourds. Ça n'a pas été retenu. Je ne crois pas que c'était parce que ça ne respectait pas les objectifs, en fait. Je ne connais pas toutes les propositions, mais celle-ci, je l'avais un peu en ligne de mire. Et sinon, quand même, je note que finalement, vous avez parlé des avantages et des inconvénients du télétravail, mais vous ne vous saisissez pas du télétravail comme un outil d'aménagement du territoire. Si. Alors, là aussi, le chantier devant nous, mais évidemment que c'est un enjeu majeur de la politique d'aménagement du territoire. Beaucoup de collectivités s'en sont saisies, d'ailleurs, y compris la mienne. On crée des espaces dédiés aux télétravailleurs pour leur permettre, parce que dans la métropole du Grand Paris, évidemment, les logements sont souvent petits et qu'il faut proposer, je crois, à nos concitoyens un cadre de travail agréable. Et puis, évidemment, anticiper aussi et créer, pour ceux qui ne seraient pas déjà en télétravail, amorcer ce dialogue avec les entreprises et, de manière à éviter des déplacements, offrir des espaces de coworking. C'est ce que nous faisons. Et je crois que les collectivités ont bien compris l'enjeu et s'en saisissent d'ores et déjà. Voilà. Donc le sujet, il est devant nous. Je ne suis pas hostile au télétravail. Je veux bien repositionner mon propos. Je veux juste souligner que voilà, c'est un phénomène nouveau dans notre société, qu'on n'en mesure pas encore tous les avantages, et il y en a, mais aussi tous les inconvénients, et qu'il faudra mettre des garde-fous, notamment du côté des entreprises, parce que certaines, clairement, l'utilisent pas forcément à bon escient. Voilà. Je vais mettre un dernier mot avant la séance des questions. Oui, non, juste deux choses. Bon, sur la loi climat, elle reprend 10% des propositions de la Convention citoyenne, en réalité. Et l'autre chose qui n'est pas possible, c'est de dire qu'elle proposait d'aggraver la pression fiscale, puisque la Convention citoyenne, précisément, s'est prononcée contre le retour de l'augmentation de la taxe carbone. Et je pense que c'était un élément très important, en fait, du travail qu'ont fait les citoyens, de dire, en fait, il faut changer de logiciel et il faut beaucoup plus passer par des logiques de rupture avec le consumérisme et par des logiques de normes que par des logiques de taxes. Et en fait, je voulais saluer notamment ce que la Convention citoyenne a dit sur l'aménagement du territoire avec des choses qui sont fortes et qui sont nouvelles, notamment sur la question de l'artificialisation des sols, sur l'arrêt de la fuite en avant à la logique du lotissement, à l'augmentation des surfaces des logements, etc. Enfin, dans une logique qui est très nouvelle par rapport à la consommation d'espace en France. Et c'était aussi un des points importants de ce qu'a dit la Convention citoyenne, qui reste à mettre en œuvre et qui ne l'a pas été déjà. Sur la question du télétravail, je ne voulais pas qu'il y ait de malentendu, parce que moi aussi, je crois à la socialisation par le travail. Donc je ne suis pas pour une forme de, d'individualisme, chacun devant son ordinateur, et où il n'y a plus de rapport collectif, en fait, ou coopératif à ce qu'est le fait de travailler ensemble dans une entreprise. Donc, pour schématiser, on peut dire qu'il y a du bon télétravail bien organisé et qu'il peut y avoir des dérives. Nous, on a rencontré toutes les organisations syndicales, en fait, sur cette question-là. Donc c'est pour ça qu'on fait des propositions d'aller vers la reconnaissance d'un droit avec un encadrement, en fait, qui justement vise à éviter un certain nombre de dérives. Mais je crois qu'il faut reconnaître aussi que une part de télétravail, pas le 100% télétravail, mais une part de télétravail aujourd'hui dans un certain nombre de postes correspond à une aspiration des salariés sur le fait de ne pas avoir nécessairement à se déplacer tous les jours. Pour ce qui est de l'impact écologique, il y a un début d'évaluation qui a été fait par Carbone 4 qui l'estime pas comme étant un des principaux leviers
de réduction des émissions de gaz à effet de serre liées au transport. Donc, c'est plus en termes de qualité de vie et d'organisation du travail et de rapport au travail que les questions se posent, même s'il y a probablement un petit bonus écologique qui n'est pas le principal, en fait, de l'intérêt du développement, en partie, du télétravail. Merci beaucoup à vous deux pour vos réactions et vos prises de position. On va passer maintenant à la séance des questions. Alors, à la fois avec la salle et aussi s'il y en a eu en ligne. Alors, juste un point, il n'y a pas de... Ah, si, un micro, bah, très bien. Bah, voilà. D'accord. Bonjour. J'ai une question et un commentaire. Je vais commencer par le commentaire. C'est rapide. Hein. Peut-être présentez-vous. Je suis un citoyen français... parlementaire au Sénat, Olivier Jacquin, et je vous salue, j'apprécie particulièrement vos travaux. Je commence bien. Hein ? Et donc le commentaire, Madame Rossi, je suis pas allé du tout pour polémiquer, mais on ne peut pas édulcorer les choses comme vous venez de le faire. Il y a un problème de logiciel. Il y a un problème de logiciel mobilité. Il y a plein de choses qui ont été faites pendant ce mandat, mais la société a bougé beaucoup plus vite. Il y a eu des crises terribles qui font qu'à cette heure-ci, on n'est pas bien. Par exemple, dans la fameuse loi d'orientation des mobilités, l'article 1, il disait un droit à la mobilité pour tous. Et il n'y a rien dans le texte, qui est copieux, qui tente d'orienter les choses sur l'évitement aux mobilités inutiles. Ce n'est pas du tout logiciel. On est toujours sur un logiciel de la bagnole et de l'aérien. On n'avait pas le droit de parler de l'aérien dans le texte, de taxer le kérosène, qui ne l'est pas, vous le savez. Et ben, ce n'était pas dans le texte. On ne pouvait pas le faire. Donc on est toujours là, aujourd'hui, avec le RERB qui ressemble à une bétaillère, et puis le Charles de Gaulle Express à côté, hein. C'est tragique, ce sont les mobilités à deux vitesses. Et puis le nouveau pacte ferroviaire, Madame Rossi, je l'ai suivi attentivement, on a maintenant l'ouverture à la concurrence avec ce qu'on appelle l'open access, c'est la possibilité d'aller un peu où on veut, concurrencer la SNCF, ça veut dire que demain vous aurez plus de trains, plus d'offres, là où il y en a beaucoup. Et aucune garantie d'avoir des meilleurs services là où il y a peu de choses. Et puis, ça avait bien démarré, il y a eu les assises des mobilités, c'était plutôt quelque chose de remarquable en termes de participation, je le dis très sérieusement, il n'y a aucune ironie là-dedans, il y a eu un an de travail de grande qualité, c'est à ce moment-là que le président a proclamé les mobilités du quotidien. C'était bien vu, c'était la suite du quinquennat précédent. Il l'a dit, manque de bol en juillet, aux 40 ans du TGV. Il nous annonce des nouvelles lignes TGV non financées. Alors il y en a besoin, hein, mais elles ne sont pas financées par les textes qui avaient consacré les mobilités du quotidien avec un consensus, on va dire, plutôt acceptable en termes de programmation de nouvelles infrastructures. Et pire que ça, Madame Rossi, en ce moment, on est en train enfin de négocier ce qu'on appelle le contrat de performance avec SNCF Réseau pour les 10 ans à venir. Il y a 2 ans de retard, hein, mais c'est comme ça. Et on prévoit une augmentation des péages des trains à échéance 2030 d'environ 30%. Ce que je vous dis là, on est en train de voter. Enfin, personne ne vote. Hein. C'est un système, il faudrait détailler, mais ça se passe entre Bercy, on va dire, et puis SNCF Réseau. Je vais vite, ouais. Je termine là-dessus. Et je vais poser ma question. En gros, on va vous augmenter le prix du billet du train à l'heure de la crise de l'énergie, et alors que le train, c'est ce qui préserve le mieux l'énergie. Alors, je pose ma question parce que je vais être... Le plan de relance. Le plan de relance, j'ai dit l'autre jour à Mme Pannier-Runacher, ça me fait penser à René Char qui dit agir en primitif. Et on a réagi vite. Qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on est allé très très loin pour sauver l'aérien, pour sauver l'automobile. Et la SNCF, on lui a maintenu la tête sous l'eau. Et moi, ça me pose question. Et René Char, vous savez la suite. Il avait dit qu'il faut prévoir en stratège. Donc ma question,
Parce que je pense qu'on est une société développée, on peut faire des grands choix, on est capable de faire des grandes choses. On vient de montrer la mobilisation qu'on pouvait avoir dans la crise sanitaire. On montre pour la transition numérique les milliards qu'on est capable d'investir dans de nouveaux réseaux de fibres, et c'est une bonne chose. On montre par exemple sur le Grand Paris, dans les mobilités, on est capable de mettre 40 milliards d'euros sur la table. Mais alors, dans le reste, eh ben, on n'a pas trouvé encore le logiciel pour faire. Alors ma question, elle me provient de mes lectures saines du Forum Vie Mobile. Ils ont fait le petit livre là, sur la fin de la vitesse, je ne sais plus comment ça... Pour en finir avec la vitesse. C'est excellent. Et dedans, je vous pose, mesdames, Bateau et Rossi, trois suggestions qui sont faites dedans, qui me semblent extrêmement disruptives et pertinentes. L'une, c'est pourquoi les salaires après-demain n'incluraient pas la rémunération du temps de déplacement pour aller au travail. Vous imaginez la révolution et l'impact sur l'aménagement du territoire. La deuxième, que pensez-vous d'un quota carbone par citoyen? Une formule à travailler, à améliorer, mais sur le principe qu'on s'est rendu compte maintenant que plus on avait de revenus, plus on produisait de carbone. Tiens, et c'est intéressant. Puis la dernière, elle me semble particulièrement provocante parce qu'elle repose la question des plus-values foncières et immobilières. Elle propose de supprimer, à partir d'une date du vote de la loi, la possibilité de faire une plus-value sur la revente de son logement en dehors des travaux qu'on a produits soi-même pour améliorer son logement. Donc si on vous fait une gare du Grand Paris Express à côté avec mon pognon, moi j'habite à 300 km, vous ne ferez pas de plus-value immobilière. Je ne sais pas où je l'ai lu celle-là, mais... elle me dit quelque chose. C'est un livre écrit par Sylvie Landrieff sur les questions d'immobilier dont elle a été. Elle a écrit un livre sur le sujet de l'immobilier avec cette proposition. Excusez-moi d'avoir été. J'ai oublié le titre, mais tu pourras peut-être le dire. Donc le livre, c'est comment l'immobilier passion française. Mais je pense qu'il faut quand même passer la parole aux autres personnes dans la salle, parce que M. Jacquin a mobilisé une grande partie du temps dévolu aux questions. Bonjour. Bonjour, Rémi Pulvar. Je suis retraité, écrivain, et je faisais partie d'un groupe de systèmes d'armes. Je faisais souvent du Paris-Londres, donc les trajets, je connais. Le domicile loin de chez soi, tout ça, le travail loin de nous, ça je connais aussi. Ce qui est très important, ce qui j'ai beaucoup apprécié, tout ce qui a été dit, tout ce qui a été débattu ici. Je suis vraiment pour le télétravail. Juste un exemple, puis après je poserai ma question. Sur la base militaire dans laquelle je travaillais, il était question d'agrandir les locaux et de mettre à peu près une soixantaine de nouveaux postes de travail. Il y a eu le Covid qui est arrivé entre-temps, donc cette construction a été retardée. Et du coup, ils ont installé 3 ou 4 postes libres pour que les gens puissent se connecter, certaines personnes puissent se connecter, enfin 5-6 à peu près, pour que les gens puissent se connecter. Et ils ont pratiquement arrêté les travaux. Et l'argent de ces travaux a servi à faire une structure un tout petit peu plus petite ailleurs, en France. Donc la question, elle est là, c'est que en fait, le télétravail, c'est vrai que pour certaines personnes, pour une certaine catégorie professionnelle, c'est très important. Mais pour les autres personnes, un maçon ne peut pas faire du télétravail, on est bien d'accord. Mais pour les autres personnes, sur l'avenir, comment ça va se passer? Ça, c'est aussi. Et dans l'autre question, il faudrait faire un suivi beaucoup plus appuyé avec les responsables d'entreprise. Parce que la clé, elle est là. La clé pour modifier la situation de tous ces gens, de ces citoyens qui sont loin de leur poste de travail, c'est à l'entreprise qu'il faut vraiment mettre, entre guillemets, la pression. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Oui, bonjour, je m'appelle Jean-Luc, tout simplement. J'ai un informaticien de la retraite et une petite information que vous connaissez. C'est concernant le télétravail, c'est évidemment basé sur Internet. Et Internet est extrêmement consommateur d'énergie. Donc, quand on fait la comparaison, est-ce qu'on va en gagner ou pas,
c'est pas seulement par rapport à un Paris-Bordeaux, c'est par rapport à la consommation. Aujourd'hui, un mail, sans pièce jointe, coûte plus cher qu'une lettre avec enveloppe et timbre. D'accord ? La question, c'est, ma question est la suivante, c'est qu'il ne faudrait pas faire entrer un axe de décroissance dans nos réflexions, parce que là, on a beaucoup parlé à juste titre de décarboner ou décarboniser, je ne sais pas, les transports, est-ce qu'il ne faut pas les diminuer ? Comme il faudrait peut-être aussi diminuer le temps de travail, non pas travailler moins pour gagner plus, mais travailler moins et transporter moins pour ne pas tout perdre. Donc il ne faudrait pas faire entrer un axe de décroissance dans nos réflexions. On va peut-être s'arrêter là pour les questions à ce stade, pour pouvoir permettre à Lauriane et à Delphine de réagir. Oui, alors je prends les interventions dans l'ordre. Bon. Chers collègues, je vais mettre de côté la prise à partie politique. Honnêtement, enfin, nous sommes tous responsables. Vous étiez, parce qu'il faut être transparent peut-être avec l'ensemble des personnes qui nous regardent, vous êtes sénateur socialiste. Je ne vais pas accabler le quinquennat précédent. Je crois que l'état dans lequel nous avons retrouvé nos infrastructures est la responsabilité de tous et tous partis politiques confondus. Mais il en va de même pour l'hôpital. Donc on ne va pas s'incriminer les uns les autres sur l'état de nos réseaux de transport aujourd'hui dans le pays. L'enjeu, c'est de s'en saisir et de faire en sorte qu'on avance. Et évidemment, qu'on offre à nos concitoyens des solutions à la hauteur. Vous m'interrogez sur le fait que, c'était la première partie de votre propos, que la loi mobilité ne prévoit rien justement pour réduire ces temps de déplacement. Ce n'était pas l'enjeu de la loi mobilité. Son article premier pose effectivement ce droit à la mobilité pour tous et offre tout un panel d'outils aux collectivités. À côté de ça, nous avons une action en matière d'aménagement du territoire extrêmement ambitieuse. Là, je vous le dis en tant que rapporteur de la mission cohésion des territoires sur le budget. Donc j'ai eu l'occasion de contrôler les maisons France Service, les programmes Action Cœur de Ville, Territoires d'Industrie, Ville de Demain, etc., la création de l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Tout ça, ce sont des outils qui, justement, avec des milliards d'euros derrière, évidemment, visent à revitaliser l'ensemble du territoire et à recréer des pôles de vie et des services publics dans les territoires qui n'en ont plus. Et quand nous mettons en place les maisons France Service, qui regroupent l'ensemble des services publics à 30 minutes, parce que c'est ça la promesse, hein, une maison France Service à 30 minutes de chaque citoyen. Aujourd'hui, 95% des Français sont concernés. Donc on a encore 5% à faire, mais c'est bien l'enjeu de réduire justement les déplacements des Français vers leurs services publics. Voilà. Mais ça, ce n'est pas dans la loi d'orientation des mobilités. Ce sont des programmes d'aménagement du territoire qui sont en cours de déploiement. Ça marche, hein, 200 programmes territoires d'industrie. Donc là aussi, recréer de l'emploi industriel localement pour réduire les temps de déplacement. Je pourrais, la liste est longue, donc je vais faire court. Mais voilà, deux choses différentes, mais qui vont de pair. Et ce qui fait une politique d'aménagement du territoire. La SNCF, je ne peux pas vous laisser dire qu'on l'a laissée à la dérive, hein, ne serait-ce que la dette que nous avons rattrapée, près de 30 milliards d'euros. Je pense que le job a été fait et bien au-delà des espérances. Et l'ouverture à la concurrence. Alors là, par contre, le chantier devant nous. Et je vous rejoins. Nous avions un débat très récemment, d'ailleurs, sur la question, sur le sujet des péages. Je suis d'accord. Il y a un sujet. Et il faut que les parlementaires s'en saisissent très clairement. Même si nous n'avons pas la main, il faut que nous nous en saisissions collectivement, tous bords politiques confondus. Donc je suis d'accord avec vous là-dessus. Le sujet suivant, là, les différents programmes que vous avez visés, cœur de ville, territoire d'industrie, etc. Est-ce que vous voulez dire en fait que c'est l'idée du prochain quinquennat, mais que pour l'instant en fait c'est tout reste à faire ? Ah non, alors ces programmes sont déployés d'ores et déjà et ils cartonnent. Je vous le dis très clairement. On a créé l'Agence nationale de la cohésion des territoires en 2020. C'est cette agence qui est en charge de piloter avec les préfets, avec les élus locaux, ces programmes qui sont mis en œuvre. Territoire d'industrie, ça fait 3 ans maintenant, ça décolle vraiment bien. On a 200 projets en cours. Action Cœur de Ville, donc c'est la rénovation des bourgs-centres notamment, hein, qui vise à rétablir du commerce et à accompagner les collectivités. Ça fonctionne très très bien. Et les collectivités, là aussi, s'en saisissent bien. Et Ville de Demain aussi. Et on a d'autres, j'en cite quelques-uns, mais on a toute une palette comme ça de programmes qui étaient financés avant le plan de relance. Mais il est vrai que le plan de relance a réinjecté de l'argent. Donc voilà, on met le paquet et je crois que ça a le mérite d'être souligné. Maintenant, ce qui manque, c'est une logique, je dirais. Là, on est dans une logique ascendante, c'est-à-dire que ça fonctionne par appel à projet. Donc seules les collectivités les mieux informées, les mieux outillées candidatent. Moi, je souhaiterais qu'on soit dans une logique un peu plus descendante, c'est-à-dire qu'on identifie avec notre commissaire au plan
eh bien, les collectivités les plus en difficulté qui auraient besoin de ces programmes, mais qui ne savent pas qu'ils existent ou bien qui n'ont pas les moyens d'y faire appel. Parce que ce sont toujours des dossiers assez lourds à constituer. Voilà. Mais ça existe et évidemment, on continue sur ces aspects-là. Enfin, sur les propositions que vous évoquiez, notamment d'intégrer le temps de déplacement dans les salaires, moi j'y suis formellement opposée. Je pense que premièrement, c'est contre-productif, puisque finalement, on subventionnerait les déplacements les plus longs. Donc c'est à rebours de toute démarche écologique et à rebours finalement de ce qu'on soulevait tout à l'heure, c'est-à-dire cette souffrance vis-à-vis de ces mobilités subies, ces temps de trajet quotidien souvent subis et pendant lesquels on ne fait rien, notamment quand on est dans le RERB entassé. Voilà. Donc totalement opposé. Pour moi, c'est injuste et en plus contre-productif. En revanche, la troisième proposition, et je vous lirai, chère Sylvie, avec attention. Moi, j'avais commencé à explorer cette piste-là, cette piste fiscale, justement, autour des plus-values générées par des infrastructures qui se créent autour des entreprises ou autour d'habitations. Il est évident que quand on crée à côté de chez vous une gare, une station de métro, ça prend de la valeur et cette valeur, elle pourrait être comptabilisée, notamment d'un point de vue fiscal, très clairement. Et elle crée de l'activité, elle crée de la croissance. Voilà, donc ça, c'est une piste pour l'avenir. Et puis, sur la décroissance, sur la... Le quota, ça, j'y suis, enfin, à explorer, mais je n'y suis pas d'emblée particulièrement favorable. Ouais. Et sur la décroissance, moi, je ne suis pas une adepte de la décroissance, hein, je le dis. En revanche, on peut croire en la démobilité sans croire en la décroissance. Voilà. Et je mets des pincettes à démobilité parce que autant je suis évidemment pour diminuer la mobilité subie, je ne suis pas pour une diminution de la mobilité choisie. Voilà. Ce sont les trajets du quotidien subis par nos concitoyens, pendant lesquels on ne peut rien faire d'autre, d'ailleurs, qu'être passager. Donc ça pose la question de la qualité de service et du confort du voyageur qui me pose question. Voilà. Delphine, est-ce que vous souhaitez réagir sur... Oui, oui. Oui. D'abord, il y a une remarque concomitante à ce que j'ai dit tout à l'heure sur la question de télétravail que je voudrais faire, c'est l'urgente nécessité du retour de l'humain dans les services publics. Parce que je partage ce qui a été dit à un moment donné sur les enjeux de sobriété numérique, mais au-delà de ça, en fait, ce qui se passe depuis des années et qu'on voit avec... les maisons France Service, qui elles-mêmes sont la continuité du dispositif imaginé par le gouvernement précédent, c'est qu'en fait, en quelque sorte, comme un sparadrap ou une jambe de bois sur ce qu'a été la fermeture et la réduction de la présence sur le terrain d'un certain nombre de services publics, on a aujourd'hui une logique de services publics low cost, dans lequel les personnes ne trouvent absolument pas les informations et l'accompagnement dont elles ont besoin. Et qu'en fait, tout ce qui se passe dans le pays en termes de santé mentale, en termes de sentiment d'abandon, en termes de difficultés de rapport avec les administrations, où vous tombez sur des boîtes vocales où on vous dit « faites le 1, faites le 2, faites le 3 », ou quand même vous allez au guichet de Pôle emploi, vous êtes accueilli par des tablettes numériques où vous êtes censé savoir vous débrouiller tout seul. Tout ça, c'est stop, ça suffit en fait. Et donc on a aujourd'hui, il n'y a pas que pour la santé publique, où on a aujourd'hui un enjeu de reconstruction en fait de ce qu'est le service rendu aux citoyens et d'avoir une culture du service public évaluer, j'allais dire comme au Canada, sur le service rendu à l'usager et sur la possibilité en fait de maintenir dans tous les domaines un accompagnement et un contact humain avec la personne compétente en charge du dossier et non pas avec un intermédiaire chargé de faire les démarches sur Internet. Donc ça, c'est très important et ça a des incidences aussi en termes de mobilité parce qu'en fait, les démarches qu'on ne peut pas faire à côté de chez soi pour toute une série de choses, on va les faire plus loin. Sur la question du temps de déplacement dans les salaires, long combat hystérique sur la question de où commence le temps de travail, est-ce que le temps de pause commence est compté dans le temps de travail, etc., où il y a eu d'ailleurs des reculs au cours des dernières années. Moi, je crois que c'est une question légitime pour les 40% de salariés, dans un premier temps, dont il a été dit tout à l'heure, que le déplacement fait partie de leur job, en fait. Et il y a une catégorie en particulier pour laquelle c'est pour moi absolument
urgent, ce sont les aides à domicile. En fait, c'est tous les métiers du lien, tous les métiers de l'humain qui se tapent des kilomètres et des kilomètres chaque jour, où cette question, en fait, de savoir que le temps de déplacement fait partie du temps de travail est une question absolument fondamentale, encore plus quand on est, en fait, sur des définitions du... Je peux prendre un autre exemple, c'est les AESH, c'est-à-dire les personnes qui s'occupent dans les écoles de l'accompagnement des enfants en situation de handicap. Il y a une logique de mutualisation qui a été mise en place qui est très mauvaise, donc qui fait qu'au lieu de suivre un ou deux enfants dans une école ou un collège, vous êtes mutualisé, on vous prévient le vendredi que finalement le lundi vous n'allez pas aller au collège de Mel, mais vous allez aller à Couture d'Argenson pour s'occuper d'un autre enfant que vous ne connaissez pas. Ben, en fait, le trajet entre Mel et Couture d'Argenson, pardon pour les détails de Sévrien, mais c'est quand même un sacré nombre de kilomètres, ça ne va pas être intégré. Or, vous êtes à des taux horaires inférieurs à 35 heures, vous êtes sur des salaires de 690-750 € par mois, c'est juste pas possible, en fait. Et moi, dans ce type de cas de figure-là, je pense que c'est le béaba que le temps de transport compte dans le temps de travail. Sur les quotas carbone, donc moi, je suis pour le principe d'aller vers des... pour réduire les inégalités, en fait, et les inégalités qui sont aussi des inégalités d'empreinte écologique et d'empreinte carbone, d'aller vers des mécanismes de plafonnement. À l'heure actuelle, la réflexion ne me paraît pas aboutie sur la faisabilité pratique d'un mécanisme de quota carbone généralisé. En revanche, il est parfaitement applicable au secteur de l'aérien. Et c'est la proposition de loi que j'avais faite avec François Ruffin pour la décroissance de l'utilisation de l'avion. Effectivement, une logique de quota carbone serait beaucoup plus juste, en fait, que simplement des mécanismes, même s'il faut taxer le kérosène, des mécanismes de taxes. Si vous voulez, les mécanismes de taxes, ils ne réduisent pas l'utilisation des énergies fossiles, et les personnes qui ont les moyens, c'est pas parce qu'il y a une taxe supplémentaire qu'elles vont pas, je caricature, hein, mais prendre l'avion chaque week-end pour aller en week-end à Barcelone ou à Marrakech, etc. Donc en fait, des mécanismes de taxes n'ont pas de caractère... le signal prix n'est pas en lui-même vertueux comme une solution magique d'un point de vue écologique, et elle a des effets sociaux qui ne réduisent pas du tout les inégalités, au contraire. Donc cette question de réflexion sur des quotas carbone me paraît intéressante, et d'ailleurs le forum Vie Mobile, je fais encore de la pub, justement a produit une réflexion qui, à ce stade, n'est pas complètement concluante, en fait, sur le caractère opérant de ce type de solution à l'étape actuelle, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas continuer d'y réfléchir. Et sur la décroissance, oui, et je trouve que le débat sur la démobilité, donc moi qui suis une militante de la décroissance, c'est-à-dire de la réduction de la consommation d'énergie et de matières premières, je trouve que le débat sur la mobilité, il illustre très bien en quoi, en fait, on a tout à y gagner en termes de qualité de vie. Et en quoi la logique macroéconomique de la décroissance, elle rencontre aussi une aspiration dans la société à vivre autrement, à ralentir et à avoir plus de temps pour des choses importantes dans la vie, et donc ne plus être dans cette logique de fuite en avant et de course sans fin au toujours plus. Et effectivement, c'est c'est le sens de l'histoire si on veut continuer à vivre sur une planète habitable. Théoriquement, on est arrivé à la fin du temps de questions-réponses, mais on disait, Tom, qu'il y a peut-être une question qui mériterait d'être posée du côté de ceux qui se trouvaient à nous suivre en ligne. Alors, il y a deux questions peut-être en ligne très rapidement. État, région, département, métropole, intercommunalité, cela ne fait-il pas trop pour être efficace sur des solutions de mobilité? Et une deuxième question qui rejoint un petit peu ce qui vient d'être abordé. Ces propositions sont intéressantes pour s'adapter en maintenant le système. Pourquoi aucune proposition ne prend un pas de côté en remettant en cause le modèle de société? Je pense que tout le monde sera d'accord. On ne peut pas dire que les propositions sont conservatrices. Et moi, je trouve, hein, en tout cas, j'avais dit tout à l'heure dans mon introduction, en quoi, justement,
elle me paraissait changer de paradigme en fait dans la réflexion sur, sur les politiques de mobilité. Et à cet égard, moi, je les trouve très importantes et très intéressantes. L'autre question, c'était sur l'enchevêtrement des échelles territoriales. Les effets sont aggravés par la réforme des régions. C'est-à-dire que la nouvelle carte des régions, même si elle donne plus d'assises économiques, etc., du point de vue des questions d'organisation, par exemple, du transport scolaire dans un territoire rural, etc., c'est pas simple, quoi. Voilà, c'est pas simple. Et moi, je suis pour des clarifications ou en tout cas une bien meilleure articulation entre l'échelon de proximité et des schémas stratégiques et de planification stratégique qui sont quand même indispensables, notamment quand on parle du ferroviaire, des TER, etc. Il faut être quand même à une échelle qui permet un minimum de planification écologique et de vue d'ensemble par rapport au schéma climat, air, énergie, etc. Vous voulez ajouter un mot, Madame Rossi ? Oui, sur le nombre d'échelons, et évidemment, ça fait partie des réflexions. Et moi, je crois, là, je parle en tant qu'élue francilienne, que des choix seront à opérer lors du prochain quinquennat, et quel que soit d'ailleurs le vainqueur des prochaines élections. Clairement, c'est illisible à la fois pour les usagers et nos concitoyens, et très compliqué aussi pour les élus que nous sommes, élus nationaux comme élus locaux. Et donc, la compétence mobilité diluée, comme ça, à chaque échelon, ne permet pas une approche coordonnée, je le crois, hein. Coordonnée et efficace, évidemment, de ces politiques publiques. La région doit avoir, je crois, effectivement, une vision d'ensemble, une vision stratégique de ce que doit être l'offre de mobilité sur son territoire. Elle doit être aussi une vigie, je crois, en termes d'équité territoriale. Par exemple, je prends l'exemple souvent de la répartition du maillage des bornes électriques. C'est, à mon sens, la région qui doit veiller à ça. J'avais proposé un schéma directeur, d'ailleurs, ça m'a été refusé, mais on voit bien aujourd'hui, et je le vois, moi, dans mon territoire, que chaque collectivité, ville, intercommunalité, commence à se spécialiser aussi dans telle énergie. Donc moi, chez moi, par exemple, c'est l'hydrogène en ce moment qui a le vent en poupe. Mais bon, voilà, si on n'a pas une autorité, un échelon territorial capable de veiller justement à une répartition harmonieuse du mix énergétique, de l'offre de ravitaillement pour les véhicules et d'un déploiement équilibré, ça ne fonctionnera pas. Et puis, je crois que beaucoup en intercommunalité, je crois que les villes, bon, évidemment, il y a l'entretien de la voirie, encore que moi, dans ma circonscription, une partie de la voirie commence à être transférée à l'intercommunalité. L'interco a cette capacité, je crois, à embrasser l'ensemble du bassin d'emploi et du bassin de vie, avec les flux qui vont avec, et donc à avoir cette analyse peut-être plus fine des flux de déplacement que n'ont plus les villes, à mon sens. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il faut mettre les maires de côté, évidemment, ils ont tout leur rôle à jouer, mais l'approche intercommunale me paraît peut-être plus intéressante. Donc, donc il me reste à vous remercier, Madame Bateau, Madame Rossi. Je remercie aussi donc les 120 citoyens à qui on avait promis de porter leurs propositions au niveau national. Donc c'est ce qu'on fait à l'instant. Je remercie aussi toute l'équipe du forum, Tom Dubois, Claire-Marine Javary, Agathe Le Foulon, qui nous ont aidés à préparer tout le programme du forum citoyen et cette conférence. Bravo. Pour tous ceux qui sont intéressés par nos productions, puisqu'en plus on nous en a fait la publicité, tout est accessible en ligne, n'hésitez pas. Prochainement, nous faisons une grande exposition pour montrer une exposition photographique pour montrer la diversité des modes de vie en France. Elle aura lieu à deux pas d'ici, à la Cité internationale des arts, et elle démarre le 1er mars. Donc on espère que vous pourrez tous y venir. Et en attendant, ce que l'on vous propose, grâce à l'invitation de la Maison européenne de la photographie qui nous accueille, c'est de profiter, pour ceux qui sont dans la salle, de profiter de l'exposition de M. Fosso. Bon, je crois que j'ai rien oublié. Peut-être abonnez-vous à notre newsletter. C'est tous les 15 jours et vous aurez les actualités de la mobilité. Bravo.